Merci d'être présent. Donc, on va partir pour une table ronde d'une heure autour du thème de l'éducation. Donc, on va échanger entre nous pendant une heure. Ensuite, on aura une demi-heure d'échange avec vous, le public. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, préparez-les. Je suis Aurore. Rose est à côté de moi. Donc, on est toutes les deux, parties de l'équipe de Main Vendée. On est très heureux de vous accueillir ce soir et on remercie aussi Alexandre d'Éthique Vision qui est producteur d'images engagées. Je vais juste vous présenter un petit peu Demain Vendée rapidement, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais en tout cas Demain Vendée c'est un média numérique et papier qui propose de l'info positive et inspirante sur le territoire de la Vendée. Donc, à travers son exploration depuis 3 ans, on essaye de créer des liens entre tous les acteurs du territoire qui se reconnaissent dans cette transition vers plus de sens et plus de respect du vivant et des humains. Donc, on organise depuis 3 ans des ciné-échanges, des conférences, des débats autour des thèmes qui nous semblent importants. Et donc, ce soir, sur le thème de l'éducation. Et donc, on est aussi. On intervient aussi dans des écoles, donc à travers des ateliers médias, pour sensibiliser à la création d'une info plus positive auprès des scolaires vendéens. Donc, pour organiser cette table ronde, on est parti du constat que le système éducatif classique, disons, semble assez ancien et parfois violent pour certains enfants qui ne se retrouvent pas dans ce système, dans cette façon de fonctionner. Et oui, ces enfants, c'est comme à l'image de notre société, ils évoluent vite et le monde scolaire actuel n'évolue pas aussi vite, en tout cas voilà, de l'éducation nationale. Et en fait, comme ces enfants ne s'y retrouvent pas, les parents ou les enseignants se questionnent aussi beaucoup sur leur posture. Ils sont un peu tiraillés entre les contraintes de l'ancien modèle éducatif, donc voilà, du rectorat, tout ça, et ces enfants qui ne s'y retrouvent pas, ils sont entre les deux. Et on a d'ailleurs constaté dans vos inscriptions du public là, que vous êtes nombreux et nombreuses à vous questionner dans votre posture, soit en tant qu'enseignant, vous êtes très nombreux à être dans le milieu d'études de l'éducation, ou en tant que parent. Et donc l'ambition de notre soirée, c'était de mettre en lien des personnes qui se questionnent et des personnes qui expérimentent au quotidien des approches pédagogiques innovantes, qui s'inspirent de l'écoute de soi, du lien aux autres, du lien à la nature. Donc vous allez pouvoir vous présenter tout ça. L'idée, c'est de vous permettre de témoigner de vos expériences, de croiser vos regards, voir les similitudes entre vos projets, les différences, les difficultés que vous pouvez rencontrer. Et l'objectif, c'est de nous inspirer tous et de peut-être nous encourager à agir à notre échelle à ce sujet. Donc ce soir, pour cette table ronde, on accueille Julien, qui est cofondateur de l'école 1-2-3 Colibri à Premont, en Vendée. Donc, merci d'être là. On a aussi avec nous Estelle, qui est chef d'établissement de l'établissement Notre-Dame à Tifauge. On a aussi avec nous Edwige, qui est l'ancienne enseignante et aussi aujourd'hui fondatrice de Dessine-moi une étincelle, qui accompagne les enseignants dans la transition pédagogique et éducative. Et enfin Coralie, qui est cofondatrice aussi du projet Amaya, donc l'école de la Petite Boissière, dans les Deux-Sèvres, et aussi maman de 3 enfants, dont 2 en instruction en famille. Donc, pour notre première question, on voulait vous questionner sur la genèse de votre projet. Qu'est-ce qui vous a amené à créer votre projet et est-ce que vous avez eu un déclic, quelque chose qui vous a... Voilà, pour la création de votre projet. N'hésitez pas à partager le micro. Les fans d'abord. Bonsoir. Donc oui, dans notre cas, avec ma femme et moi, c'était notre enfant en fait. On avait notre fille qui allait avoir 3 ans. Et donc on s'est questionné sur ce qu'on allait faire au niveau de l'éducation. On avait commencé en fait à dérouler la pelote, comment je vis, comment je consomme,
où j'habite, un peu la, notre place sur Terre et comment est-ce qu'on en faisait. Arrivait l'enfant, qu'est-ce qu'on va faire avec notre enfant, niveau éducation. C'est parti de là en fait. On a visité plein d'écoles qui sont là. Et l'offre n'était pas celle à laquelle on voulait souscrire. Donc on s'est dit, bah, on va créer l'offre. Voilà. Pour nous, c'est ça. Alors pour moi, c'est un petit peu différent. Je suis dans une école qui est inscrite dans. Qui suit l'éducation nationale. Et en fait, j'ai été invitée parce que depuis 2018, je pratique la classe dehors. Et moi, le point de départ, c'est mes lectures. Je m'interrogeais déjà en fait sur ma pratique en classe et j'avais envie de changer de fonctionnement pédagogique. Donc je suis allée lire les travaux de Maria Montessori. Et j'ai retenu une phrase qui était « Il faut éveiller la curiosité des élèves et faire la classe en dehors des murs ». Et je me suis dit, ben c'est vrai, on n'apprend plus le nom des arbres, le nom des fleurs, on travaille avec des images plastifiées et puis on s'étonne qu'ils ne connaissent pas le nom des fruits et des légumes. Mais j'ai gardé cette idée dans un coin de ma tête et puis j'ai accueilli une enseignante des Deux-Sèvres qui voulait voir mon fonctionnement pédagogique et en échangeant avec elle, elle me dit qu'elle fait classe dehors et qu'elle a suivi une formation avec Christelle Ferjou, qui est conseillère pédagogique dans les Deux-Sèvres. Et elle me dit, va lire ses articles, va regarder son film. Donc je suis allée voir Il était un jardin sur Internet. Et puis voilà, ça m'a aidée à me lancer. D'abord en y allant une fois par période, et puis dès 2018 en y allant une demi-journée par semaine. Donc voilà, pour moi. Je suis pas encore. On va être discipliné, je pense, en chacun son tour. Bonsoir. Alors, ma grande mission, ça va être de me canaliser, parce que je suis très bavarde, donc j'aurai énormément de choses à partager. Sur la genèse de Dessine-moi une étincelle, il n'y a pas eu de déclic véritablement, ça a plus été un cheminement qui m'a petit à petit amené à éprouver un fort ressenti quand j'étais enseignante, donc sur le terrain, et vraiment à éprouver, ressentir qu'on était en train de vivre quelque chose de très particulier, de très fort, et de sentir vraiment même corporellement un mouvement pédagogique qui était en train de s'opérer. Nous sommes les héritiers en fait vraiment d'un dispositif pédagogique qui était très centré sur le cognitif, que je me refuse à opposer ou à qualifier de pas bien. Hein. Pour moi, il s'agit vraiment de respecter aussi voilà tout ce mouvement qui est né du passé et qui a permis quand même de permettre l'accès aussi permettre l'accès au savoir au plus grand nombre. Donc pour moi c'est important aussi de respecter quand même tout notre héritage et simplement d'accueillir ce mouvement qui est en train de s'opérer. Et voilà, quand j'étais sur le terrain, j'ai donc vite questionné ma posture, ma propre posture, et de me dire comment je peux moi descendre dans une pédagogie qu'on nomme humaniste et intégrative, où aujourd'hui la grande mission c'est vraiment d'appréhender l'individu dans sa globalité, dans ses sphères aussi bien cognitives qu'émotionnelles, corporelles et relationnelles. Voilà, donc je suis allée questionner tout ça, ça a été un enchaînement de formations, je suis vraiment tombée dans la marmite pédagogique et j'ai senti que c'était vraiment ma mission, quoi, que d'accompagner cette transition éducative et pédagogique. Donc j'ai choisi à l'époque de démissionner d'éducation nationale, non pas par dégoût du métier, au contraire, j'ai un profond attachement à ce métier-là et au système scolaire, en fait, hein, public. Et voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'ai entamé tout un parcours de formation pour... Moi, j'avais besoin de prendre de la hauteur, comprendre aussi ce qui se jouait sur un plan sociétal et de ne pas être dans l'opposition, c'était pas bien, faut faire... Et vraiment, aujourd'hui, d'éprouver que c'est OK, quoi, on est en train de traverser un mouvement qui va demander du temps. On est dedans et je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de, avec beaucoup d'humilité, d'amener mon énergie à cet endroit-là et de rencontrer les enseignants qui, sur le terrain, forcément sont dans un profond inconfort aujourd'hui. Je crois que c'est important de le dire. C'est réel et que tout changement provoque cet inconfort-là. J'aurais plein de choses à dire, mais Dessine-moi une étincelle est vraiment née de ce parcours et de cette passion, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'ai dans les tripes, en fait, quoi. Je me sens aujourd'hui très heureuse d'amener mon énergie à cet endroit-là.
Allez, stop, et puis ça suffit. Eh bien, pour ma part, ce sont mes enfants qui m'ont amenée sur ce chemin de co-création d'école, de l'école Amaya. Amaya, l'école des explorateurs sur la Petite Boissière. Moi, j'ai un parcours d'infirmière, tout d'abord, auprès des enfants et des parents, et des professionnels aussi, en pédopsychiatrie et en crèche. Et puis, mes enfants ont été scolarisés dans le système scolaire classique. Et parallèlement, j'ai senti l'élan de vivre une formation auprès de Catherine Dumonteil-Crémer, donc, qui porte la parentalité créative. Et à travers cette formation, il y a un moment où elle nous a proposé pendant 2 semaines d'observer nos enfants pleinement dans leur rythme biologique, leur rythme naturel d'apprentissage, quels étaient leurs centres d'intérêt, leurs passions, leur rythme de sommeil, qu'est-ce qu'ils aimaient manger, enfin voilà, d'apprendre vraiment à les connaître en profondeur. Et ce qui m'a permis de réaliser et de prendre conscience à quel point le système dans lequel ils évoluaient était en profond décalage avec qui ils étaient de manière individuelle. Donc ça a été le premier déclic pour moi, de prise de conscience et d'accueillir cet inconfort. Et puis par la suite, à travers des divergences de vision pédagogique au sein de l'école, et notamment avec une expérience particulière peut-être unique de maltraitance au sein de la classe de ma fille, qu'on a essayé d'accompagner par l'écoute. On s'est rendu compte que malgré les échanges, il n'était pas possible de faire évoluer le système où ma fille, en fait, en tout cas, évoluait. Donc, on a fait le choix de leur proposer l'instruction en famille. Et peu à peu, ça fait maintenant 6 ans, et on leur a proposé très rapidement les apprentissages libres et informels, ce qui nous a semblé être une approche pédagogique proche de leurs besoins, au regard des formations que j'avais pu faire. Et du coup, au bout de quelques années, forcément, en instruction en famille, nous sommes inspectés par l'éducation nationale. Les premières inspections se sont très bien passées et la troisième inspection a été plus compliquée, ce qui nous a amené à une injonction de rescolarisation, puisqu'il y a eu un décalage de vision pédagogique et de non-respect, en tout cas, de notre liberté pédagogique à ce moment-là, au regard d'une vision très scolaire qui n'était plus en adéquation avec les besoins de nos enfants. Et c'est ce qui nous a, nous, poussé, en tout cas, inspiré de passer le cap de la fondation d'une école qui répondrait aux besoins de nos enfants et de nombreux autres enfants qui présentent des besoins incompatibles avec ce que propose le système conventionnel, mais dans une profonde complémentarité. Donc un processus de 2 ans de co-création intense que j'aurai plaisir à vous partager au fur et à mesure. Mais voilà la jeunesse du projet. J'aimerais qu'on s'intéresse maintenant un peu plus aux types de pédagogie qui sont appliqués dans vos différents projets. Par exemple, Julien, toi, qu'est-ce qu'une journée à l'école des colibris, qu'est-ce qui s'y passe? À 1, 2, 3 colibris, il n'y a pas une pédagogie. C'est un choix délibéré. Il y a 2 classes. 40 enfants en 2 classes. Les maternelles d'un côté, CP et CECM dans l'autre classe. Les maternelles sont en 100% Montessori. CP et CECM, il y a un mix. Il y a Montessori, Freinet, Steiner, Le Crowley, École du Dort. Parce que CP et CECM, ça se prête plus à la pédagogie de projet. On met un projet, on tourne autour et on fait toutes les matières autour de ce projet-là. Et sur Montessori, c'est tellement... J'étais pas sensibilisé à ça avant, c'est ma femme qui avait beaucoup de lectures par rapport à ça. Quand elle a montré les vidéos, tout ça, Sylvia Barès, tout ce qu'elle a démocratisé, pour ceux qui ne connaissaient pas Montessori, je me suis dit que c'est génial, c'est hyper bien pensé. Et de le voir là, je ne suis pas enseignant en école, je suis créateur du projet, je suis là tout le temps, mais je ne suis pas enseignant. Mais de voir les enfants évoluer avec ça, en tout cas, en maternelle, je me dis que c'est vraiment, vraiment génial, bien pensé. Hyper efficace si on veut se mettre en mode efficacité d'apprentissage, on va dire, je sais pas comment. C'est souvent opposé, on est efficace, je sais pas, il y a pas mal de trucs qui se croisent par rapport à l'efficacité pédagogique ou ce qui est attendu pour les enfants, mais de les voir progresser à une vitesse de fou grâce à des outils,
parce qu'on les laisse. Ils sont guidés globalement, ils sont libres d'y aller à la vitesse à laquelle ils vont, et ça change tout en fait. Ils vont sur quelque chose, ils ont envie d'y aller, et parce qu'ils ont envie d'y aller, ils l'intègrent à la vitesse impérative. Donc voilà, je coupe, sinon ça va être trop long. Il y a les pédagogies alternatives, mix à notre boulot, c'est très varié. Voilà. On fait à chaque fois le tour comme ça. J'avais une prochaine question pour Estelle. Donc, ça suit le sens. Toi, Estelle, une classe à l'extérieur, qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce que tu y fais? Qu'est-ce que vous y faites avec les élèves? Donc, c'est tous les mardis après-midi. Je pars avec ma classe de grande section CP. Un super effectif, j'ai 9 grands, 9 CP et une ASM avec moi. Donc voilà, bon, je l'ai fait avec des plus grosses classes, hein, c'est possible, hein, c'est pas que l'effectif qui fait ça. Donc je pars avec mon sac à dos, ma bâche, et puis on descend en bord de Sèvre. Et je propose, d'abord on est toujours dans l'observation, je vais toujours au même endroit pour sécuriser les enfants, et aussi pour voir les effets des saisons sur notre environnement. Donc on observe... La mardi, c'était un tapis de fleurs bleues qu'il n'y avait pas la semaine dernière. Voilà, parfois, c'est les empreintes des animaux, les taupes, les mottes de terre qu'elles laissent. Voilà, et puis après, je les laisse toujours aller en jeu libre, parce que de toute façon, c'est ce qu'ils veulent le plus. Donc, c'est notre récréation à nous. Mais c'est une récréation que j'investis plus qu'à l'école, parce que je vais aller vers eux, je vais échanger, ils vont me raconter leur cabane, leurs histoires de chevaliers avec leurs bâtons. Donc il y a un échange. Et puis après, on se regroupe sur notre bâche et je propose des activités. Auparavant, avec des plus jeunes, c'était plus libre, venait qui voulait. Là, en grande section CP, je ne sais pas, peut-être parce que j'arrive juste à l'école, j'ai voulu changer, c'est un peu plus cadré. J'ai mon activité, l'activité de l'ASEM. Et puis ils viennent avec moi et après on change. Donc je propose multiples activités dans tous les domaines d'apprentissage. On peut tout faire à l'école dehors, mais là on permet quand même le mouvement, on permet la prise de parole, je pense, chez les petits parleurs plus facilement. Il y a un côté plus libéré. Et puis voilà, après on se regroupe, on dit ce qu'on a appris, ce qu'on a découvert. J'aime bien aussi partir de ce qui se vit dans l'instant. Parfois, j'ai mon activité en tête, mais je peux aussi la changer s'il y a plein de vers de terre. On va aller observer les vers de terre. Je ne veux pas passer à côté de certaines choses. Là, mardi, ils étaient debout sur un muret et ils s'amusaient à sauter. Bon, on a fait un atelier sauter le plus loin possible. Puis on mettait le bout de bois et après, il fallait sauter encore plus loin que le petit bout de bois. Et voilà. Donc je rebondis aussi sur ce qu'ils peuvent proposer d'eux-mêmes. Et puis c'est toujours un temps aussi où on va faire du sport. Et on finit par une activité de relaxation, d'écoute des bruits de la nature. Voilà, j'ai beaucoup de mes collègues qui font aussi du yoga, de la respiration. On profite de la sérénité, de l'apaisement que la nature peut nous apporter. Et on en fait profiter les enfants. Du coup, pour que ces élèves soient équipés, il me semblait que tu avais mis dans ta liste de... Oui, bah oui, je sais pas comment on appelle ça, liste de... La liste de fournitures. Fournitures, voilà, c'est bon. Mais surtout au moment de l'hiver, et je le présente à Marie et mon parent en début d'année, en fait, c'est vrai que quand il fait froid, c'est important d'être bien équipé, parce que sinon, ils ne passent pas de belles matinées. Alors, je dis matinée, pardon, parce qu'avant c'était le matin et là j'ai dû changer. Donc, on est passé à l'après-midi. Mais ils ont des surpantalons. Donc, en kawé, ça permet de s'asseoir un petit peu n'importe où. Et des après-ski, l'hiver c'est l'idéal. Parfois des bottes, mais c'est froid, donc il faut mettre des chaussettes de ski. Et puis, gants, bonnets, voilà. Donc, en fait, il faut être bien équipé pour pas que le froid nous envahisse et fasse que le moment soit pas apprécié, parce que c'est l'objectif quand même. Il faut revenir de ce moment-là content de cet instant. Et après, si jamais, là aussi je m'adapte, si déjà s'il pleut, je rentre,
Si je mets à pleuvoir à plein temps, alors parfois on se met sous la bâche. Si ça dure trop longtemps, bon, ben, on rentre. Et puis s'il fait trop froid, et certains, surtout en maternelle, quand je faisais auparavant, je faisais aux épaisses dans une classe de petites, moyennes et grandes sections. Donc si les petits avaient froid et se mettaient à pleurer, je ne m'entêtais pas à me dire non, je dois passer 2h30 dehors, je passe 2h30 dehors, on rentrait et puis voilà, puis on se réchauffait dans la classe. Et on avait quand même passé un bon moment. Merci. Du coup, j'ai une question pour Edwige. Toi, dans tes ateliers, quel type de pédagogie tu transmets ? On a déjà évoqué pas mal de noms tout à l'heure, j'aimerais que tu reviennes un peu là-dessus. Alors, c'est une vaste question. J'ai parlé tout à l'heure du mouvement pédagogique qui était en train de s'opérer, qui est aujourd'hui d'inclure, au-delà de l'approche cognitive qui reste indispensable, en fait, hein, dans la transmission des savoirs, et bien d'inclure dans notre posture en tant qu'enseignant toutes les dimensions émotionnelles, corporelles et relationnelles. Et là, on rentre dans le champ des pédagogies qu'on nomme intégratives et humanistes. Donc voilà, il y a, comme disait Julien, on pourrait citer plein de noms. Après, je pense que, enfin, pour ma part, j'ai un peu mes références qui me correspondent, qui me parlent. Je m'appuie beaucoup sur les travaux notamment d'Antoine de la Garandrie, qui était fondateur de la gestion mentale, qui est une approche cognitive profondément humaniste. Voilà, c'est surtout les travaux, après, dans la dimension émotionnelle de tout ce qui va être pleine conscience. Voilà, il y a plein de choses qui ont été citées déjà, et puis tout l'héritage merveilleux de la philosophie de Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de la communication non violente. La communication non violente qui, à mes yeux, n'est pas un outil, c'est vraiment une philosophie, c'est un art de vivre la relation à soi, la relation aux autres. Et donc, je m'inscris beaucoup dans cette posture-là, où pour moi, l'essentiel n'est pas du tout. Je ne transmets pas des outils, je me refuse à ça. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment d'aller travailler le cœur de la posture. Parce que on évolue dans une société de consommation, hein, Montessori ça fait vendre, et des fois je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle doit se retourner dans sa tombe, hein. À la base, c'est un être humain, Maria Montessori, qui incarnait une philosophie, et là je nomme le mot qui pour moi a une valeur très profonde, qui est avant tout, eh bien, qu'est-ce que je choisis d'incarner dans ma classe. Voilà, comment je choisis de me positionner. Si je me cache derrière des outils et que je plaque ça dans la classe, alors je ne vais pas être pleinement acteur de cette transition éducative et pédagogique. Et c'est en ça que, eh bien, y a tout un tas de repères qui sont à construire ou reconstruire pour se sentir bien dans sa classe et oser ce pas s'il me correspond. Donc il y a aussi tout cet enjeu de, en tant qu'enseignant, à un moment donné aussi, pour avoir éprouvé ce métier qui est extrêmement complexe, c'est aussi de se respecter dans ses limites, hein, c'est de respecter sa coloration pédagogique. Pour moi, chaque enseignant a une coloration pédagogique très singulière, et c'est ça qui est chouette, quoi. Donc je ne suis surtout pas là pour dire « il faut faire comme ça, j'ai la recette miracle ». Pas du tout, au contraire, je suis là plutôt pour éveiller et réveiller bien le cœur de la posture, quoi, hein, et que chacun ose ce rayonnement-là. Voilà, j'y mets tout mon cœur, en tout cas. Bon, peut-être certains, je vois des enseignantes que j'ai eu l'occasion de côtoyer, hein, qui j'espère diront du bien, mon Dieu, comme je vous mets la pression. Bon, en tout cas, c'est une aventure humaine que je trouve très chouette. J'ai une profonde gratitude pour les enseignants qui sont sur le terrain. Pour moi, ce ne sont pas des enseignants lambda, en fait. Je crois que... J'ai la sensation qu'on ne perçoit pas l'importance de ce qu'on est en train de vivre. C'est un mouvement énorme, on est au début de ça, ça va demander du temps, certes, mais ne baissons pas les bras. Et j'ai une profonde foi, moi je suis vraiment heureuse, oui, dans cette complexité. C'est difficile, hein, parce que, je ne sais pas, où je me dis, on voudrait que tout change comme ça, hein, mais laissons le temps d'éprouver, le rythme naturel de la vie, il est lent. Voilà, donc respectons ce mouvement-là et d'amener aussi, je dirais, un peu ce réconfort aux enseignants qui croulent sous le poids d'injonctions que je trouve terribles. Vraiment, pour avoir éprouvé ce métier, j'ai la sensation que quand on ne l'a pas vécu, on ne peut pas comprendre la complexité. Et j'entends des fois des choses qui vraiment viennent me toucher en profondeur, notamment dans les comparaisons, hein, qu'on peut avoir. Oui, dans les pays nordiques, c'est génial. Certes, maintenant, remettons ça dans le contexte du système scolaire tel qu'il est aujourd'hui en France.
nous n'avons pas 18 élèves par classe avec deux adultes. Hein, nous sommes dans un environnement où les enseignants sont seuls avec 30 élèves. Voilà, donc c'est comment, eh bien, avec cet existant-là, avec ce qui est la réalité du terrain, eh bien, je peux activer ma liberté pédagogique pour me mettre au service de cette transition qui est en train de s'opérer. Et il y a des leviers. Voilà, mon expérience m'a montré, je suis vraiment allée travailler ma posture et j'ai senti que même avec 30 élèves, c'est difficile. Eh bien, toutefois, c'est un retour aux essentiels. C'est un retour au cœur, c'est un retour au regard. C'est un retour vraiment dans la confiance qu'on peut déployer dans chaque élève. C'est le déploiement de la culture de la différence avec cette école inclusive. C'est comment j'incarne ça. Et je trouve ça extraordinaire, en fait, ce qu'on est en train de vivre. Et je suis heureuse d'où je suis, de me dire que ma mission, c'est celle-ci. Alors, voilà, je ne verrai pas la fin de ce mouvement-là, je ne pense pas, de mon vivant. Mais en tout cas, je serais heureuse d'avoir, avec beaucoup d'humilité, eh bien, amené ma vision des choses et accompagner les enseignants sur le terrain. Voilà. Ça me paraît long. Je suis... toi, je trouve ça... Il faut laisser le temps. Je trouve ça hallucinant. Enfin, Marie Montessori, c'est 1900, quoi. Ça fait 120 ans que ça existe. Elle n'a pas de Crowley, Steiner, tout ça. Ils ont tout suivi, ils freinaient. C'est vieux, quoi. Et on est encore en train de se dire, ah ouais, c'est pas mal, c'est ça. Et voilà, on sait que ça marche. Il faut arrêter. C'est pour ça que je suis pas aussi positif que toi. Il y a eu des éléments déclencheurs, en fait. Hein. On est rentré dans cette transition éducative et pédagogique par différents éléments. L'évolution de l'environnement, bien évidemment, hein, c'est le numérique, etc. L'élément déclencheur vraiment, pour moi, central, c'est l'apport des neurosciences affectives et sociales, qui sont encore très récents, hein, il y a 10-15 ans, qui sont venus mettre en lumière ça. Effectivement, certains grands pédagogues n'ont pas attendu que la science vienne valider quoi que ce soit. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. Oui, exactement. Voilà. Et maintenant, peut-être l'écueil à éviter, c'est de dire tout le monde s'engouffre dans « il faut faire du Montessori ». Et ça me choque. Ah, je ne suis pas figé sur Montessori. Non, mais je ne te prêtais pas ces propos-là. Hein. Mais voilà, donc oui, alors, c'est vrai que je suis d'un tempérament... j'aime le vivant avec tout ce que ça comporte, y compris la complexité qu'il y a là-dedans. J'entends qu'on aimerait que ça aille plus vite, et en même temps, on a été aspiré dans un espèce de vortex. Ça a été très rapide, cette évolution de l'environnement. Et il y a aujourd'hui plein de choses à déconstruire. On s'est éloigné des fondamentaux, mais on y va, quoi. On y va, et je ne peux pas enlever mon optimisme. Non, en fait. Bon, en fait, voilà, c'est la même. C'est entre les deux. Je suis négatif. C'est bien. Coralie, est-ce que tu veux nous présenter la pédagogie de l'exploration qui était l'essence de la Réa? Donc je vais vous parler un petit peu du concept d'Amaya, l'école des explorateurs. L'idée, c'est de créer une école dans une dynamique interâge, une école d'intégration parentale, à travers une pédagogie de l'exploration qui invite à l'exploration de soi, de la relation à l'autre, du vivant et du monde, avec au cœur le prendre soin. C'est un cadre très particulier. L'idée, c'est de permettre à Amaya de se développer au cœur d'un environnement riche, d'un environnement naturel, au cœur d'un lieu d'accompagnement à la transition environnementale et solidaire qui pourrait permettre aux enfants d'être en lien permanent avec la dynamique interculturelle, intergénérationnelle, la dynamique d'école du territoire, et puis voilà, d'artisans du territoire aussi. Et l'idée de la pédagogie, c'est de permettre à chacun, enfant et adulte, d'avoir des espaces pour prendre soin de soi, écouter ses émotions, écouter ses besoins physiologiques au moment où ils se présentent pour pouvoir remplir ce réservoir d'énergie qui est fondamental pour pouvoir coopérer, pour pouvoir se connecter à ses élans, se connecter à ses projets. Puisque c'est vraiment une pédagogie de projet et par le jeu essentiellement, pour permettre à chacun de se connecter à la relation à l'autre à travers l'écoute active notamment. Donc la communication non violente prend vraiment sens au cœur de l'école.
à travers du coup ces espaces qu'on prend soin de poser au rythme des enfants, des temps collectifs où on va permettre à chacun de se déposer, de s'exprimer à travers le jeu et d'accueillir les émotions de manière inconditionnelle au moment où elles se présentent, que ce soit les décharges émotionnelles, que ce soit les ressentis, que ce soit les conflits. Pour pouvoir voilà, permettre à chacun d'être entendu et travailler, explorer la relation à l'autre au cœur du vivant et de l'énergie de l'instant présent. C'est une pédagogie qui s'inspire beaucoup de l'école du troisième type de Bernard Collot. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est l'idée de la pédagogie de la mouche, de se connecter à l'énergie de l'instant présent, c'est-à-dire d'accueillir les projets des enfants, quels qu'ils soient, les petits comme les grands projets, de permettre à chacun d'accueillir ce qui se passe, comme la mouche qui peut passer, le papillon qui peut passer, et où l'enfant va être attiré par le papillon au moment où peut-être on est en train d'échanger sur quelque chose, et là tout d'un coup, hop, on se tourne vers ce papillon et on va aller explorer tout ce qu'il vient nous dire, ses couleurs, sa forme, comment il vit, comment on peut le dessiner, comment on peut l'écrire, quelles recherches on peut faire autour de ça, comment on peut aller, faire des recherches spécifiques sur ce papillon, comment on peut explorer le papillon dans son cocon, toute sa genèse, etc. C'est un très beau symbole de renaissance d'ailleurs. la pédagogie de la mouche. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est de permettre à chacun d'écouter ses besoins donc physiologiques, c'est-à-dire de permettre à chacun de manger, de boire, d'éliminer, de se mouvoir à l'écoute de ses besoins du moment présent. Et ça, c'est vraiment précieux pour nous. Et c'est pas commun de pouvoir permettre aux enfants de pouvoir se nourrir quand c'est le moment pour eux. Mais ça nous semble vraiment très important pour prévenir en tout cas, des éventuels conflits ou des éventuelles décharges émotionnelles qui sont juste le symptôme d'une hypoglycémie en lien avec un rythme biologique qui n'a pas été nourri. Ce qui est important aussi dans ce projet, c'est l'exploration du vivant, l'exploration du jardin, des arbres, des plantes, du potager, et de permettre à chacun d'aller développer ses projets dans la nature, individuel ou collectif, quel qu'il soit, mais en tout cas d'accompagner les enfants dans leurs projets. Et puis l'exploration du monde, c'est se connecter aux initiatives de reconnexion à l'humain et à la nature du territoire, du pays et du monde, que ce soit en connexion avec des projets d'école qui peuvent être dans le monde, à travers justement le numérique aussi, qui a une place dans la pédagogie. Et puis c'est aussi une dimension qui intègre la dimension de parentalité, d'accompagnement à la parentalité, la place du parent dans l'école et l'importance du lien entre ce qui se passe dans l'école et ce qui se passe à la maison pour créer cette cohérence, un socle solide à travers lequel l'enfant peut grandir et se développer harmonieusement dans un environnement qui va le soutenir et le porter au regard de qui il est individuellement. Donc voilà en gros la pédagogie. Merci. On va passer maintenant un petit peu au retour d'expérience de vous tous. J'aimerais bien savoir d'ailleurs, te concernant Estelle, toi qui as vécu l'avant et l'après la mise en place de la classe dehors, est-ce que tu as vu un changement dans toi, ta posture d'enseignante, mais aussi chez les élèves ? Oui, je vais d'abord parler des élèves. Je sais, après, c'est mon regard à moi, donc je ne veux pas dire... je sais que les études disent qu'il y a une meilleure... ça développe une meilleure capacité d'attention et de concentration. Moi, ce que j'ai ressenti plus au sein de ma classe, c'est surtout quand je le faisais le matin, c'est un état assez calme et serein dans la classe l'après-midi. Je trouve qu'ils sont plus posés, plus tranquilles, parce que voilà, ils retrouvent le groupe, mais
voilà, quand tu parles de conflit, est-ce que j'ai l'impression que ça les aide à un peu plus se supporter et à passer l'après-midi ensemble, sans grandes histoires. Moi, j'ai surtout ressenti ça au niveau des enfants. Après, ma posture, je vois qu'elle, enfin, je sais qu'elle va dans un sens, c'est-à-dire donner le choix. Et je l'entends hein, dans vos propos, on est très intéressé par ça, quoi, que l'enfant ait le choix. On sait que quand il choisit, il s'investit davantage. Il y a cette importance-là que je donne. Et puis, moi, j'avais une idée, mais je l'ai perdue. Ça dans la tête. et la joie. La joie et le plaisir, voilà, ça je sens que c'est aussi un fil conducteur dans ma pratique. J'aime pas que les enfants reviennent de l'école, mais ça c'est mes enfants, hein. Quand tu parlais de déclencheur, quand les miens reviennent et qu'ils n'ont pas aimé ou qu'ils comprennent pas parce qu'ils s'ennuient ou que c'est pas intéressant ou que ça c'était nul, j'aime pas. Donc moi je voudrais qu'ils reviennent tout le temps en disant « Ah ça c'était trop bien, j'ai adoré » et donc à ma manière à moi, à mon petit niveau à moi, j'essaye tout ça quoi. Et puis comme je disais aussi, rebondir sur leurs propositions, quand tu dis les observer et puis repartir sur le papillon, ça aussi c'est des choses auxquelles je donne beaucoup d'importance. On anticipe parfois ce qu'on veut leur transmettre et puis finalement qu'est-ce qu'ils en retiennent, c'était notre leçon à nous. Par contre, quand on part d'eux, alors là, puis en plus, on peut aller encore plus loin, je trouve. Là, on n'oserait pas aller. On se dit, bon, non, ils sont trop petits, ils ne vont pas comprendre, c'est trop compliqué. Et finalement, ils sont prêts à certains apprentissages plus complexes. Oui, très tôt. Ouais. Très tôt. Tu vois, je trouve que c'est... Alors, comme ça, c'est le côté négatif. Moi, je me dis, mais quel gâchis, en fait. Parce que de les voir tout petits... Et comme tu viens de dire, waouh, t'en es là, t'es à fond là-dedans, vas-y, fais pas, occupe-toi pas du reste, fais, continue. Et il va, il répète. Et le regard, oh, c'est génial. Et à la fin, il a plié quelque chose à une vitesse folle, tout petit, et il l'a fait. Et dans la nature, c'est qu'il y a les cinq sens, quoi, tout le temps. Les cinq sens sont en permanence activés. Et rien que ça, ça change tout, quoi. Tu prends de la terre. On parlait de projet, c'est transversal, on prend de la terre, alors, couleur, quelle couleur, quelle texture, quelle odeur. Et on peut partir, on peut tout dérouler, juste une poignée de terre, en fait. Mmh. Et ça marche avec tous les enfants. Mmh. Et j'ai l'impression qu'on demande aux enfants des trucs que nous, en tant qu'adultes, ça nous... Mais c'est bon, quoi, arrête, ça ne m'intéresse pas. En tant qu'adulte, on va dire non. Et on est en train d'insister sur les enfants, fais ça. Non, t'as pas envie de faire ça maintenant, fais ça. Mmh. Vu que tu as envie de le faire, tu l'acquiers beaucoup plus vite, et c'est parti, tu le feras plus tard de toute façon. Et c'est vraiment de... ça retombe sur ce que vous disiez, les filles, de laisser de la liberté, et dans notre cas, on a quand même mis du cadre. Après, il y a la pédagogie alternative, ça peut être ça veut un peu tout et rien dire, quoi. Il y a de tout dedans. Donc, plus ou moins serré le cadre. Donc après, ça dépend des personnes. Oui, t'as fini. On va faire le ping-pong de jamais mon regard positif. Oui, ouais, c'est bien. Non, mais j'entends et je rejoins quand tu exprimes quel gâchis, voilà. Et effectivement, on pourrait se dire, quand on rentre dans cette conscience-là, de l'importance, je suis d'accord avec ça. Ce que je vois, c'est que là, on est en train de parler de ce qui ne nous convient pas aujourd'hui dans le système et on oublie en fait de dire, je suis sûre que dans la salle, la majorité des enseignants qui sont présents sont dans cette dynamique. Et il y a de plus en plus de classes en fait qui s'ouvrent à ça. Et je pense que c'est important aussi de soutenir ça. Ouais. Effectivement, comme on est au début, bien, on a tendance à observer. Et je crois qu'il y a aussi quand je dis acceptation, c'est pas se résigner, hein, mais de se dire qu'effectivement, il y a des enseignants qui seront-elles jamais prêts à ça, parce que c'est aussi un impactant, hein, d'aller questionner sa posture dans la dimension du cœur. Enfin, ça peut aussi aller réveiller des choses très inconfortables. Voilà, donc je te rejoins dans cet élan et je vois aussi tout ce qui se fait, hein, dans le système et qui est très chouette, quoi. Je ne construis pas le système, hein. Il y en a très bien qui font des choses très très bien. Non, mais là c'est devenu mon jeu, Julien. Je vais te titiller. Non, mais on parlait de posture et finalement on était moins dans une posture de celui qui sait
et qui transmet, ça. Et l'autre, l'enfant qui reçoit. On est apprenant presque en même temps. Moi, j'ai commencé la classe dehors sans aucune connaissance des noms des fleurs sauvages. Enfin, voilà, j'avais mon bagage à moi, mais très limité. Et donc, j'apprends en même temps qu'eux. On va chercher ensemble. Et il y a cette posture-là aussi qui change. Et puis, voilà, c'était ça. Je peux revenir. Mais du coup, non, mais je me sens en pleine résonance avec ce que tu exprimes, Estelle, où un des messages qui fait vraiment partie de ce qui me tient à cœur de partager avec les enseignants, c'est vraiment d'incarner ou de sentir que je peux incarner cette dimension qu'a amenée Antoine de la Garandrie, de je vais me rasseoir et vraiment m'installer dans je sais que je ne sais pas. Je sais quelle est ma réalité et je ne suis absolument pas capable de définir quelle est la réalité de l'autre et de composer avec tout ça. Quoi. Et là, je pense qu'on est tous parfaitement d'accord. Quels sont, selon vous, les ingrédients, ça reprend un peu tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, mais les ingrédients d'un projet pédagogique réussi? Vous avez parlé de l'écoute, de travailler la posture. Est-ce que vous avez d'autres éléments peut-être? Je peux ou pas? Je peux. C'est libre. Non, mais là, c'est terrible, je suis partie. Pour moi, c'est à chacun de définir, en fait, c'est très personnel. Je n'accéderai jamais à la prétention de dire, eh bien voilà, c'est comme ça que ça sera réussi. Mais je pense que si chaque personne qui accompagne un groupe d'élèves est capable d'aller questionner sa posture, de dire, voilà, est-ce que je suis en phase déjà avec qui je suis? Plus on fait naître cet alignement et qu'on sort de cette injonction, plus en fait il y a une espèce de merveille qui opère, quoi. C'est-à-dire que je me respecte en tant qu'individu et donc forcément ça circule et je peux alors me trouver dans l'élan et bien de rejoindre mes élèves dans cet élan vital, quoi. Donc je pense que cette question-là, il faudrait la poser à chaque individu qui opère dans les classes. Et il n'y a pas la recette miracle, il y a autant de recettes que d'individus. J'aime bien amener du matériau pour que chacun compose sa propre recette. Et comme je partage souvent aux enseignants que je croise, quand j'étais enseignante, je me suis observée dans cette posture de je courais après je sais pas quoi, mais en fait je cherchais la recette miracle, il y a bien un bouquin qui va répondre à toutes mes questions. Et en fait, c'est le jour où j'ai fait le deuil de ça, et je me dis, mais qui je suis, en fait? Qu'est-ce que je souhaite incarner, et vraiment de rejoindre, en fait, cet élan vital? Alors, c'est là où... et ça ne veut pas dire que ma façon de faire doit être celle que tout le monde doit appliquer, j'en sais rien, en fait. Je ne sais pas du tout ce qui va être bon pour chacun, mais c'est de rentrer dans cette exploration du vivant, quoi. Voilà. Je sais quoi la question, déjà? C'est l'ingrédient pour un projet pédagogique réussi. Non, et moi je suis d'accord avec la notion du deuil de la recette miracle. Et comme la classe d'or, c'est pas une recette miracle. Quelqu'un qui n'aimerait pas sortir dehors, parce que ça peut demander parfois de l'énergie, parce qu'il fait froid et qu'on est bien dans nos classes, ça sert à rien de la faire parce que je pense que ça sera pas super. Et donc pour moi, la recette, c'est la motivation de l'enseignant, enfin, son engagement à lui, sa passion, ce qui l'anime. Et ça, il arrivera à le transmettre, à mon avis. Faut que je fasse un négatif. Tu dis que t'es d'accord. Alors. Oui, comme tu disais, il y a de telles disparités selon les classes, 30 enfants, 4 enfants, dehors, dedans, pédagogie alternative ou pas, il n'y a pas vraiment de recette. Globalement, c'est vraiment, ça paraît bête, mais c'est vraiment remettre l'enfant au centre du truc, quoi. C'est lui qui est en train d'apprendre, il a soif d'apprendre, c'est une machine à apprendre, c'est une machine à connecter des neurones. Et si on lui dit, fais comme ça, mais il n'y a pas de neurones qui connectent, il faut qu'il ait envie d'y aller. Enfin, c'est une pédagogie active, on dit alternative, mais c'est active en fait. Approprie-toi le savoir. Et ça marche vraiment. En fait. Alors, je ne sais pas si c'est applicable. Je parle de ma petite paroisse, là, les trois colibris, 40 enfants, 2 classes, 3 hectares de terrain, ça change tout. Hein. Mmh. Mais pas dans une ZEP, à 45 dedans, sans clim et tout ça. Mais globalement, c'est vraiment ça, quoi, de remettre l'enfant au centre du truc. Alors, comment le mettre en place? C'est pour ça les outils, je ne sais pas. Par exemple, une classe de 30 en truc normal, il y a peut-être un outil qui va déclencher juste, je ne sais pas, mettre quelque chose dans la classe, hein, un atelier, si on est en ville, un atelier de nature,
quel qu'il soit, et dire « Oh, ça, ça existe. Ah oui, les poissons, c'est pas entouré d'oranges, ça nage dans l'eau. » Voilà, mettre du concret, quoi. Le miel, il n'est pas dans un pot, normalement. Il vient quelque part. Et on avait rencontré un enseignant qui avait mis une mini-ruche dans sa classe, qui a fait tout le projet pédagogique dans une tasse, pour le coup, zèbre, vraiment pas forcément fun, j'imagine, en condition. Et il a créé quelque chose de super, en fait, en partant de là. Parce que d'un seul coup, ça devenait intéressant. Et le miel, bah, comment décrit le miel? Une abeille, une guêpe, c'est quoi la différence? Et il se passe quelque chose, en fait. Et vu que tous les enfants n'ont pas le même savoir, pour X raisons, parce qu'en tant que parent, on a inculqué telle ou telle chose, mais il y a un autre enfant qui va dire, ça c'est du miel, tu connais pas le miel? Bon. Et puis, bah, ils parlent entre eux, ils parleront différemment entre eux qu'entre un adulte et un enfant. Et ça crée juste partir d'un truc concret, quoi. Et le rendre actif dans sa pédagogie, ça, je pense que quel que soit le... C'est... Pour ma part, peut-être l'ingrédient qui pourrait être intéressant pour, en termes de, peut-être de réussite de, autour d'un projet pédagogique, c'est peut-être la résonance initiale. Surtout pour un projet comme, on a mené, d'intégration parentale, il me semble important qu'à la base, quand on développe une pédagogie innovante en reliant ça aux neurosciences affectives et sociales, à ce qui nous semble en tout cas juste, c'est de pouvoir sentir une résonance avec le groupe de parents et aussi le groupe d'accompagnants pour sentir vraiment une cohérence commune pour évoluer ensemble dans la même direction. Même si on a tous nos visions, nos postures, nos histoires différentes et complémentaires, mais qu'on puisse quand même avoir une base solide commune. C'est pour ça que pour nous, de notre point de vue, ce qui pourrait nourrir cet ingrédient de réussite, c'est la formation initiale au regard de cette pédagogie-là qui demande une posture qu'on n'a pas appris en fait. Une posture de soutien de l'élan de l'enfant, c'est difficile de rester juste à sa place d'observateur, de soutien au moment où l'enfant nous sollicite et d'être dans une dynamique de partenariat avec l'enfant dans une relation horizontale. C'est quelque chose qui s'expérimente et d'accueillir les émotions de manière inconditionnelle, c'est quelque chose qui peut réveiller aussi des blessures, des mémoires intérieures. Ça peut vraiment réactiver des choses difficiles, permettre à l'enfant de sortir, d'écouter son besoin d'aller dehors, d'arrêter un projet alors qu'il ne l'a pas fini. C'est des choses qui peuvent nous réactiver dans nos blessures scolaires et ça demande pour ma part... à être accompagné, à être anticipé aussi dans ce que ça peut réveiller et dans une formation initiale et par la suite par de l'analyse de pratique au long cours pour soutenir autant la parentalité que l'équipe d'accompagnement. À mon sens, ça me semble fondamental au regard de notre expérience. Justement, vis-à-vis de votre expérience, on voulait revenir sur les difficultés que vous avez rencontrées qui ont fait que vous avez fermé Amaya, parce qu'on a un peu cette idée, quand on s'intéresse aux pédagogies alternatives, la solution, c'est de créer mon école, en fait. Et ça a l'air d'être la solution miracle, et on s'est rendu compte, on a pu observer, rien que sur le territoire, qu'il y a eu deux écoles qui ont fermé hors contrat fin d'année dernière. Donc on voulait questionner qu'est-ce qui a fait que vous avez fermé cette école. Alors déjà, le projet d'Amaya, c'est 2 ans de co-création intense avec 2 équipes simultanées. Une première équipe en collaboration avec Coralie Gabory et Amandine Rimbaud, avec qui on a co-créé les fondations de l'école, donc toute la dimension administrative, les bases de la pédagogie. On a créé des événements pour accueillir des familles qui pouvaient être intéressées par cette pédagogie innovante et toute la dimension rénovation d'un bâtiment ERP5 qui permet l'accueil
d'une école. C'est aussi toute une dimension, un sacré parcours. Donc, c'est un projet de rénovation qui a duré 2 ans et qui nous a pris beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, nous, c'est une association complémentaire, la Bulle Nature, qui a été portée par l'équipe travaux pour rénover ce bâtiment qui allait accueillir à Maya l'école des explorateurs. Donc, une première année très intense déjà, avec au bout de la première année, une prise de conscience mutuelle, une envie d'aller explorer chacune d'autres perspectives, en tout cas d'exploration, avec une deuxième équipe qui arrive à ce moment-là, avec un nouveau souffle, donc avec Audrey-Anne, Hélène et Leslie Moulin, avec qui on a pris soin d'approfondir la pédagogie. Et en l'expérimentant sur des temps de ludo verte qu'on a proposé tous les mercredis après-midi avec la Bulle Nature pour explorer sur le terrain cette pédagogie de l'exploration. Et puis on a souhaité aussi approfondir, enraciner la pédagogie à travers une dynamique de recherche collaborative, donc soutenue par un enseignant-chercheur qui est Antoine Le Bouil, qui nous accompagne autour de la mise en lumière de cette pédagogie et de toutes ces ressources scientifiques qui viennent la valider concrètement comme bénéfique pour le développement des enfants. Donc il y a toute cette dimension-là qui nous a pris aussi beaucoup de temps, d'énergie et de rencontres passionnantes de plein d'acteurs de l'éducation, que ce soit dans le système classique, que ce soit du DSDEN de Niort, que ce soit des parents. Enfin voilà, ça a été une année vraiment très très riche. Et du coup, pour moi, ce qui nous a mis en difficulté, c'est de poser une date d'ouverture à laquelle on a souhaité, on s'est engagé à ouvrir à une date précise, ce qui pour nous a condensé les actions de manière très 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 intense. Dans une pression de trouver la directrice ou le directeur qui allait accompagner l'école, puisque l'éducation nationale demande à ce que la personne en direction ait au moins 5 ans d'expérience à l'éducation nationale, et trouver quelqu'un qui est vraiment, qui se sente prêt en tout cas à évoluer à travers ces pratiques-là, c'est vraiment aussi un enjeu. Donc on en a rencontré énormément de personnes qui auraient envie, mais à travers l'échange, les personnes se rendaient compte que c'était quelque chose une pédagogie pour laquelle ils sentaient cette aspiration profonde, mais pour laquelle ils ne se sentaient pas prêts sur le terrain à accompagner les enfants de cette manière-là. Et c'est tout à fait honorable, c'est pour ça que ça demande aussi beaucoup de soutien au long cours. Et du coup, tout s'est fait très très vite. À un moment donné, les familles qui étaient intéressées par l'école se sont très investies aussi dans le chantier. Donc on était vraiment dans le faire finalement, avec certains parents qu'on n'a pas vus concrètement au cœur de la pédagogie. Et certains voyaient l'école comme une alternative au système conventionnel. Donc c'était un choix quelque part par défaut. Alors qu'un projet comme Amaya, c'est un projet qui se choisit profondément dans le fait qu'on devient parent explorateur, parent engagé à finalement me remettre en question pas à pas sur mon approche. Ça remue énormément. Et c'est un engagement de devenir chercheur aussi au cœur d'une recherche collaborative avec des différents partenaires, que ce soit l'équipe de recherche, les enseignants, les parents et les inspecteurs de l'éducation nationale, avec qui on a vraiment le souhait aussi d'évoluer en collaboration. Sachant que c'est une pédagogie, une approche qui ne suit pas le programme de l'éducation nationale, c'est vraiment un choix, c'est vraiment des apprentissages par projet, des apprentissages transversaux au regard du choix des enfants. Ça peut se tourner par exemple autour d'un projet de poulailler, de création de poulailler, où là les enfants vont développer de multiples apprentissages transversaux qui vont répondre aux objectifs du socle commun. Donc ça demande une traduction précieuse pour pouvoir avoir un langage commun avec les inspecteurs qui viennent de manière inopinée aussi inspecter l'école. Où je précise que dans ce qui n'est pas le cas dans les écoles
du système classique. Donc ce qui pose, ce qui amène aussi à un stress en plus, et on sait que le stress bloque le circuit d'apprentissage, et du coup, ce qu'on souhaitait vraiment, vraiment préserver, c'était justement, avec Audrey-Anne notamment, sur le terrain, c'est de faire tampon pour préserver la sphère de l'école de ce stress-là, pour permettre cette liberté pédagogique qui nous tenait à cœur. Et du coup, voilà, au fur et à mesure des premières semaines, on a eu une première expérience en lien avec le Covid où on ne s'était pas préparé à ce qu'il y ait autant de cas en peu de temps. Et du coup, ça a mis en lumière des divergences dans le collectif parents avec qui on avait à cœur d'évoluer dans une dimension... peut-être dans un premier temps d'une gouvernance assez partagée, où on s'est rendu compte que au fur et à mesure, ça nous a mis en difficulté. On aurait eu besoin de définir la gouvernance, une gouvernance du conseil d'administration, avec des décisions prises dans le conseil d'administration, des décisions qui sont prises avec l'équipe et des décisions qui sont prises avec les parents, mais que ça soit beaucoup plus ancré dès le départ. Ouais. Donc ça nous a mis en difficulté. La semaine, on a dû fermer l'école pendant une semaine pour cause de Covid, et avec du coup un choix général de comment on gère cette situation, comment on gère les retours à l'école et comment on préserve le collectif en fait. Et ça change tout, et ça a mis déjà une première difficulté. Et après, étant donné qu'à la base, on avait prévu deux accompagnants sur un groupe de 20, on n'avait pas assez d'enfants dans un premier temps, donc on a pu avoir la personne en direction dans un premier temps. Elle s'est retrouvée toute seule, donc on l'a soutenue, nous, Audrey-Anne et moi, sur le terrain. On s'est relayé pour la soutenir, en plus d'un parent qui venait accompagner... sur le terrain, et ça a permis aussi, c'était très riche comme expérience, puisque ça nous a permis de mettre en lumière des divergences de vision pédagogique assez rapidement, ne serait-ce que sur des choses simples qui étaient fondamentales, en tout cas dans ce qu'on avait présenté, l'écoute des besoins physiologiques. Là, s'il n'y a pas une synergie de vision, d'accompagnement des enfants entre les parents et l'équipe, on sent que c'est compliqué pour permettre l'évolution fluide de l'école, sachant que y a énormément d'autres enjeux. Donc là, c'était important pour nous que les bases soient reconnues par tous et toutes, et qu'on se sente tous d'accompagner les enfants en ce sens, pas que ça crée des difficultés sur le terrain dans la relation en fait. Il y avait une charte ou pas? Oui. On avait posé la charte, on avait exposé lors d'entretien, vraiment on avait... C'était signé par les parents, bordé... Oui, voilà. Mais du coup, c'était difficile. Donc il y a eu ça avec les parents, et puis rapidement, même avec la directrice, on a senti qu'il y avait un décalage en termes de vision pédagogique, avec pour elle un besoin d'apporter des activités très formelles, ce qui est un choix, ce qui est honorable, ce qui était relié à son projet pédagogique de base, son projet d'école qu'elle avait, mais qui était différent du projet d'Amaya sur lequel on était en train de faire évoluer une recherche collaborative, donc importante en termes d'observation, en termes de recherche. Et on a bien vu que là, il y avait une divergence, et que ce n'étaient pas les mêmes pédagogies. Mais non, c'est ça. Qui étaient les mêmes approches. L'alternatif, voilà. C'est, c'est vague. Ouais. Il n'y a pas les mêmes choses dedans, en fait. C'est ça. Oui. C'est pour ça que de clarifier la vision dès le départ, même si on avait l'impression vraiment de la voir clarifiée, mais elle demande à s'expérimenter. C'est pour ça que pour nous, cette formation initiatique de départ nous semble fondamentale. Pour permettre aux parents et aux accompagnants de sentir, est-ce que cette pédagogie, est-ce que cette approche-là, elle résonne en moi? Est-ce que j'ai envie d'avancer sur ce chemin ou pas? Et c'est OK, en fait, puisqu'il y a énormément de... chemin, il n'y a pas encore assez d'écoles complémentaires qui pourraient répondre à des besoins spécifiques des enfants et des familles. Mais en tout cas, l'avantage, c'est qu'on est tous complémentaires et qu'on permet à chaque famille de trouver ce qui lui convient au regard de ses aspirations et de ses choix. Et du coup, notamment avec une famille
en fin de période d'essai. Il y avait vraiment beaucoup de divergences sur plein de points de vue et on a senti l'importance de poser cette incompatibilité de besoins. Ce qui est difficile, hein, mais en même temps, c'était très important pour chacun, autant pour l'école que pour la famille. Et ce qui a mis en lumière, parce que du coup, on essaie aussi d'accompagner chacun à se connecter vraiment à ce qui est important pour soi. À chaque instant, beaucoup de moments dans la semaine, même en atelier de parents, on accompagne vraiment chacun à se connecter à ce qui est important pour moi, est-ce que ça résonne vraiment à l'intérieur ou pas. Et ça a permis à une autre famille notamment de réaliser qu'ils se sentaient pas profondément reliés à cette proposition d'apprentissage informel. Ça peut faire peur pour certaines familles de faire pleinement confiance au développement naturel des apprentissages des enfants. C'est vraiment un chemin de tous les jours et ça prend beaucoup, beaucoup de temps de lâcher prise. Et du coup, ce qui a fait du coup qu'il y a eu deux familles qui ont quitté l'école, plus la directrice qui a, en fin de période d'essai, informé de sa démission parce que c'était deux projets en fait qui ne pouvaient pas qui étaient différents. Et j'ai eu ça de développer vraiment son école qu'elle est en train de faire d'ailleurs au regard de sa pédagogie, mais ça montre vraiment cette richesse-là et aussi cette spécificité d'Amaya aussi qui demande à se sentir prêt à cheminer en ce sens, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été claire sur... parce que c'est quand même une épreuve à vivre aussi en tant que fondateur. D'avoir mis beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors, il y a eu ça, mais on a eu aussi, pendant la fermeture, il y a eu une première inspection académique, donc deux inspecteurs qui sont venus alors qu'il n'y avait personne. Une autre inspection, une fois qu'elle était fermée, on a eu l'inspection aussi du contrôle du bâtiment avec vraiment une grosse artillerie. Faut le savoir aussi, c'est un chemin qui demande beaucoup d'énergie et il y a beaucoup de contrôle qui réveille un peu d'injustice quand on voit débarquer des voitures de gendarmes, de pompiers avec la sous-préfète et la mairie pour valider le bâtiment ERP. C'est vraiment une réalité et c'est une procédure qui est normale et qui est classique, mais quand on se connecte à la pédagogie de l'exploration, c'est complètement contrasté en fait. Et du coup, on se sent pas respecté dans notre consentement. Alors c'est une intrusion et ça aurait pu se passer alors que les enfants auraient pu être présents. Et en plus de ça, le bâtiment a été jugé non conforme à ce moment-là parce qu'il y avait quelques détails. Ça se joue à rien. Ouais. Ça se joue à rien. C'est clairement pas simple. Et l'école aurait pu fermer le soir même en présence avec l'arrivée de toute cette équipe-là en présence. Donc en fait, quelque part, on se dit, mais heureusement qu'elle était fermée avant et que les enfants n'ont pas vécu ça aussi. Enfin voilà, donc en fait, cette expérience a été une grande richesse, riche d'apprentissage et d'enseignement. Et aujourd'hui, on sent vraiment à quel point c'est important de partir d'un projet en collaboration vraiment avec les services de l'éducation nationale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je peux rajouter... Vite fait. Donc avec Leslie, Audriane, Antoine aussi, et puis Christelle Ferjou qui nous accompagne sur le projet. On est en train de... Là, on a terminé de coécrire un article, puisqu'on a eu la chance de décrocher un article pour la revue Phronesis, qui est une revue internationale en sciences de l'éducation, où on a développé tout un article de 30 pages sur une vision d'école à l'ère de l'incertitude. Ça a été passionnant de travail en co-création avec toutes ces ressources scientifiques, toutes ces ressources philosophiques, toutes ces expériences qui ont été menées en France et à l'international
sur ce concept de la résonance, du prendre soin et de toute cette l'importance de cette exploration de soi en priorité, du prendre soin de soi pour prendre soin de la relation à l'autre, du vivant et du monde. Donc en fait, c'est comme si voilà, l'énergie d'Amaya s'enracine pour aussi dans l'idée de ensemble de pouvoir le présenter à un moment donné au directeur académique. Dans l'idée d'ouvrir, de réouvrir un jour, mais sous condition qu'on soit soutenu et accompagné et non contrôlé en fait. Qu'on soit accompagné par des facilitateurs. Et ça, je sais, peut-être ça paraît utopique, mais vraiment, j'ai confiance en ça. Et puisque pour que les accompagnants et les enfants puissent évoluer sereinement, librement dans leurs apprentissages, ça demande à ce que le système soit soutenu et accompagné pour que ça puisse fleurir, en fait. Puisqu'on sait aujourd'hui, par les neurosciences, que toute forme de stress vient nuire aux apprentissages, à la relation et au développement optimal des enfants. Voilà. Merci. Quand c'est le négatif. Non, mais c'est vrai, en fait, encore une fois, pédagogie alternative, un autre colibri qui est pédagogie alternative et le volet environnemental. On peut faire l'un sans l'autre. Les deux sont au même niveau chez nous. Mais ça veut pédagogie alternative, on a pu remarquer que c'est très varié. L'environnement, c'est pareil. Pour certains, aller avec un sac nucléaire ramasser trois trucs, c'est le geste ultime, ou faire l'eau en se lavant les dents, et pour les autres, c'est jamais se laver. Bon, ben, chacun sa version. Il faut essayer de mettre toutes les versions de chacun dans un carcan qui est l'école. Et ce carcan-là doit rentrer dans les toutes petites cases de l'éducation nationale, du ministère de l'Intérieur, du système de contrôle de bâtiments. Et de toute façon, c'est là où je finis assez négatif. Enfin, je vois les choses dans l'autre sens. Elles vont pas s'en aller, ces cases. Elles vont en se rétrécissant à chaque fois un peu plus. Et donc, on arrive, nous, en tant que créateurs, avec nos idées d'école. Les parents qui se mettent à l'école, qui arrivent avec leurs idées de ce qu'ils veulent de l'école, ça, je te demandais s'il y avait la charte. Donc au départ, on a dit aux parents, il y a une charte, l'école ça va être ça, 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 ça ne sera pas ça, ça, ça. C'est même pas la peine d'espérer, ça ne sera jamais ça. Donc ça, c'était très clair, malgré tout, ça peut dériver. Le Covid a pu le montrer. Et il y a vraiment des cases toutes petites sur ça, tous les créateurs qui auraient l'idée de vouloir créer une école. Déjà, je pense, ne faites pas le bâtiment. Prenez un bâtiment tout fait. Vous allez vraiment vous simplifier la vie. Parce que les normes sont très très strictes, parce que ceux qui contrôlent ne sont pas forcément au fait de ce qui existe en bâtiment écologique. Ça ne rentre pas dans les cases de bâtiment écologique, clairement pas. J'ai vécu des contrôles techniques de gens me disant « c'est quoi ça ?»« c'est ça. » Oh, putain. Alors là, sauf que le gars il met le tampon à la fin. S'il ne met pas, je vous fais mon école. Et là, on arrive sur mon idée des bâtiments écologiques qui rentrent dans une case comme ça. Et de toute façon, il faut que ça rentre dans cette case-là, sinon je n'ouvre pas à l'école. Et c'est pour ça que je me dis, je ne sens pas que les cases vont agrandir, elles vont être toutes petites. Et voilà, c'est le gars qui, je ne sais pas ce que c'est. Tu demandes du coup aux 10, ceux qui contrôlent le côté des pompiers. Le pompier dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout demander. Voilà, on en est là. Et ça, c'est le jeudi, et le lundi, il doit mettre le tampon. Là, c'est la toute petite case. Et ça, c'est tout le temps, donc, sur tous les volets de création d'école. Donc c'est hyper complexe. Quand on y arrive, c'est génial. Pour lui, c'est dur. Tu voulais préciser quelque chose? On finit peut-être sur notre dernière question qui correspond à ce qu'on échange depuis déjà quelques minutes, c'est la rencontre entre les mondes du système classique et de ces pédagogies alternatives, parce qu'à première vue, ces écoles, elles semblent plutôt élitistes, en tout cas réservées à à des familles qui ont des moyens et qui ont déjà une conscience de l'importance du lien à soi, à l'humain, enfin aux autres et à la nature. Et donc, comment on peut ouvrir, enfin, faire se rencontrer ces mondes? Et peut-être qu'Edwige, toi qui tu veux commencer par répondre à cette question, si ça te parle, et les autres pourront prendre la suite. Alors, je n'ai pas forcément la réponse à cette question.
ou en tout cas la surquestion qui viendrait, ça serait en quoi c'est important que tout ça se rencontre. Mmh. Enfin, on peut aussi se poser la question. Je pense que tout a une raison d'être. Tout permet et tout contribue à nourrir cette transition éducative et pédagogique. Et voilà, après, je pense dans tous les cas que tout ça se rencontre quelque part, mais dans quelque chose, je dirais, plus d'invisible, quoi, parce qu'il se passe aussi des choses dans le système classique. Il y a d'autres propositions qui permettent, du coup, à des familles de mieux s'y retrouver. Enfin, voilà, donc non, j'ai pas la réponse à cette question. En fait, j'ai oublié une partie de ma question qui est. Enfin, je voulais faire cette rencontre parce que, aussi, il y a beaucoup de gens qui se questionnent, qui sont dans ce milieu du classique de l'éducation, oui. Mais, et qui s'intéressent, et qui beaucoup sont là, en fait, ce soir. On se demande mais comment je peux intégrer ces pratiques-là dans mon quotidien en tant que parent ou en tant qu'enseignant. Faut oser. Ben, j'ai envie de dire tout est une question de choix aussi. Si à un moment donné, quand on parle de ce mouvement là, éducatif pédagogique, à cet endroit-là, on est vraiment dans l'injonction de il faut que, qui n'est pas vraiment favorable à l'engagement au mouvement. Donc c'est vraiment descendre dans ses tripes et dire ah, je choisis de. Déjà, ça fait naître un élan et voilà. Et à partir de là, eh bien, c'est de faire confiance. Et puis là, les rencontres arrivent et c'est de s'ouvrir, c'est être dans l'échange, c'est participer à des soirées comme celle-ci. Après, c'est un jeu de rencontre et de se laisser porter par ce mouvement-là, quoi. Je pense que ça nécessite un premier mouvement intérieur, déjà, hein, voilà, vraiment sentir un élan qui vient d'ici et pas d'ici, quoi. Mmh. Alors, je ne sais pas si ça, c'est entendable, mais c'est ce que je ressens. Okay. Et sans remettre du tout en question l'existence de vos écoles, moi j'espère quand même que des enseignants qui ont des projets ou des convictions pourront aussi les faire naître au sein de l'éducation nationale et de leurs écoles publiques, privées. Donc comme tu disais, d'oser. Et, parce que je ne sais pas qui ferme la porte vraiment. C'est peut-être nous les premiers qui on ne s'autorise pas à, mais je pense qu'il y a des choses faisables qui se font déjà d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment ça. Il faut y aller quoi en fait. Ouais, il y a des choses qui se font en fait, comme tu dis. Ouais, même dans les milieux standards, il y a plein de choses qui se font. Et clairement, je jette pas tout milieu standard du tout. Il y a plein de choses qui sont faites. Malheureusement, il y a des injonctions en haut qui sont clairement bon voilà. Un petit point, qui sont tellement pas du tout sur le. Ils sont pris par des gens qui sont pas sur le terrain en fait. Donc, il est 16h30, qu'est-ce qu'on pense, Denis, on va faire ça? Ouais, d'accord. Et c'est pondu. C'est une impression qui. Et comment vous avez pu pondre un truc pareil? Les protocoles qu'on a vu défiler dans l'école pour le Covid, c'était hallucinant. Hallucinant. C'est ça le lundi, c'est ça le jeudi. Allez dire à l'enfant, bah non, le lundi c'était ça, bah non, maintenant c'est ça. Mets ton masque en haut, en bas, sur l'épaule, ça marche pas en fait. Les enfants ne pouvaient pas, et là ça crée des tensions justement. Ça crée des tensions pas entre les enfants, mais ça se passe très bien. Avec les familles, avec l'équipe, tout le monde n'est pas d'accord sur. Faut mettre le masque dehors en faisant du sport. Ok, bah oui, c'est la règle. Bon voilà. À un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Les parents qui. Bah non, c'est hors de question, mon enfant il mettra pas mon masque. Bah ouais, sauf qu'on est censé le mettre, on a été contrôlé. Le gars il est arrivé, l'inspecteur. Alors, protocole sanitaire, petite case. Respecté, pas respecté. Ils ont tous le masque? Oui. Si on avait respecté ce que disait le parent, non, non, pas de masque interdit, il va mourir. Je force le trait exprès. C'était fermeture de l'école. Et là, il n'y a pas, on va changer le modèle éducatif, on ne va rien changer du tout. L'école, elle est fermée. Et c'est là où c'est chaud. C'est qu'on a nos idées tous, et au final, on va re-rentrer dans cette case. Et si on ne la coche pas, ben, on ne va rien changer dans les cases. Elle sera fermée. Et ça, ça c'est dur, parce qu'il faut ravaler un peu de nos idées. Liberté. Et puis, à un moment donné, y a un cadre. Et j'étais obligé de le rappeler aux parents. C'est une école hors contrat, pas hors la loi. Il y a des trucs qui ne nous plaisaient pas, mais si on ne les respectait pas et qu'on se faisait contrôler pile ce jour-là, il est mauvais. Et ça, c'est chaud, en fait. Je ne sais plus si c'était la question au départ. Je vais me permettre de revenir à la question initiale, en fait, parce que je voulais rebondir sur les propos d'Estelle. Et aussi de Julien, peut-être à mon sens, l'écueil qui pourrait me paraître
pas très constructif serait de rentrer dans une opposition de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, quoi. Je pense que vraiment, et je le redis, tout a une raison d'être. Et est-ce qu'à un moment donné, on peut aussi sentir que eh bien, tout ça, c'est vraiment un mouvement d'individus, que ce soit dans des écoles alternatives ou au sein du système, bah, tout est OK, quoi. Ce mouvement, il est en marche. Et arrêtons d'imaginer qu'il ne se passe rien dans le système. Enfin, je le répète, hein, mais là, je ne vais pas rebondir sur le Covid, parce que voilà, c'est un sujet dont on a assez mangé. Mais tout de même, quand j'entends les propos sur les protocoles sanitaires, je me suis aussi réjouie de voir qu'il y a beaucoup d'enseignants. Hein, alors, je ne l'ai pas divulgué, c'est resté entre nous. Mais il y a une liberté pédagogique sur le terrain. J'ai vu des enseignants qui ont fait le choix de ne pas mettre le masque dans les classes. Mmh. Voilà, donc tout ça est présent. Et voilà, pour moi, il n'y a pas de bien ou pas bien. Tout est au service là, de ce cheminement. Vous avez tous dit ce que vous vouliez. Ouais, on peut passer au temps d'échange avec le public. Si vous avez des questions, on se laisse une demi-heure d'échange et après, il y aura un temps beaucoup plus informel autour de brioche. Et ça, c'est dans une demi-heure. Levez la main. Des questions ? Je ne suis pas trop micro, ça me gêne de parler au micro, je préfère parler fort. Ah. Vous avez posé la question, à juste titre, c'était très intéressant à Coralie, des éléments qui ont freiné. Freiné, c'était pas une blague. L'école. Et de l'autre côté, Julien, qu'est-ce qui a fait que 1, 2, 3 Colibri est ouvert et dispose de deux classes? Des yurts Non, il n'y a pas de yurts. Ah non, je. Il y a deux classes. Mais de deux classes, quels éléments ont permis à ce projet de vivre aujourd'hui? J'espère que vous avez entendu. Ben, je ne sais pas. Ça se trouve, on fait la même chose en deux ans. Et puis, alors pourquoi ça a porté un autre colis? On a mis vachement le cadre. Vraiment. C'est-à-dire que même par rapport aux instances de contrôle, On a toujours dit qu'on respectait le socle commun de connaissance. On n'est pas obligé. On est école privée hors contrat, on pouvait dire freestyle. On a dit non. On respecte le socle commun de connaissance, vous pouvez bien trouver, on respectera. On a rencoché les cadres, encore une fois. On a mis le cadre, mais dans le cadre, on bouge. On bouge tout. Et ils nous l'ont dit, en fait. Les inspecteurs nous ont dit que ça les a rassurés. Et clairement, comme tu disais, au moment où ils arrivent, toute l'équipe a ressenti vous êtes le mal. Enfin, nous, on l'a ressenti comme ça, peut-être qu'on s'est senti, si on a interprété le thème. Mais il a été très très fort au départ. Au fur et à mesure de l'entretien, ok, on n'est pas complètement barré, ça cochait des cases. Je suis désolé, j'en ai toujours là-dessus parce que c'était vraiment prépondérant. Ça fonctionne comme ça, c'est très administratif. Alors, et là, ça marche parce qu'on est vachement calme, même par rapport aux parents. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Je ne sais pas. Là, on vient de créer un conseil d'administration. Le projet d'école, ça commençait mi-2016. C'est-à-dire, tiens, on va faire une école. Achat du bâtiment qui est en ruine en janvier 2017. 3 ans de construction, rénovation. Et on ouvre en septembre 2020. Et depuis, on ouvre. Et l'association, c'est l'association qui gère l'école. Je suis président de l'association. Et en gros, j'étais président, secrétaire, trésorier. Tout. Et clairement, on arrive à la limite de système. Au départ, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin, mais c'est très clair. Hein. C'est vraiment très clair. Et là, je pense qu'on allait dans le mur, en fait. Parce que j'étais épuisé, parce que je faisais des bêtises, parce que je n'avais pas les compétences pour et qu'il faut s'entourer. Et là, on a créé un conseil d'administration. Je suis épaulé par ça. Et le conseil d'administration, le trésorier, il regarde ça froidement. Au départ, on met tout notre cœur, tout est beau, les bisounours, les fleurs. Puis on se retrouve un truc, c'est administrativement parlant, ben, si tu réfléchis, c'est une entreprise. Les employés à payer. Donc ce qui sort, ce qui rentre. Au départ, tu dis, je vais mettre le plus bas possible, parce que justement, on sera touché le plus grand panel de gens possible. Ouais, super. Donc ce qu'on fait, ben, je vais pas me payer, c'est normal, pendant 5 ans, pas payer, faire ça comme ça. Le bâtiment, ben, on va pas le. On vous le laisse sous ses cadres. Et puis tu fais ça, plein de trucs, plein de fois. À un moment donné, le conseil d'administration arrive. Le trésorier regarde les comptes, il dit ben là, si on fait comme ça doit être fait, la fin de l'année, ben, c'est moins 15 000. Ah oui.
Ouais, c'est froid, et d'un seul coup, on tombe sur une case, en fait, case totale, moins 15 000. J'en ai une chose forcément. Et voilà, c'est de poser les choses, se dire, ok, mais c'est une entreprise. L'entreprise qu'on considère comme sociale et voulant changer les choses, mais c'est une entreprise. Donc, mais ça doit être ça, les cotisations. Ah. Et là, enfin, t'as dû le voir. C'est et tu te rends entre toute l'équipe qui a créé ça, l'équipe pédagogique et les parents. Voilà, nous, c'est la même vision. Et ouais, pour faire que ça marche, on soit vraiment un cadre très bordé, le plus transparent possible. Et je pense qu'on sait la bien déjà beaucoup de problèmes. Merci. Non. Ah, moi, j'aurais bien. Je vais juste me permettre de rebondir parce qu'en fait, on parle voilà, de ces difficultés qui peuvent être rencontrées dans le déploiement d'écoles alternatives auxquelles je suis moi-même confrontée. Il y a de la méfiance en fait hein, quand on arrive avec voilà un regard différent et bien dans un système très normé ça peut faire naître des peurs, des interrogations hein, donc j'ai été questionnée est-ce que c'est pas des pratiques sectaires voilà donc je pense que c'est le lot j'imagine même Estelle peut voilà aussi être soumise à des regards interrogatifs de collègues enfin moi ça me renvoie aussi à mon expérience d'enseignante dans le système où, je pouvais passer un peu pour une extraterrestre, hein, et à un moment donné, bah, de sentir que l'élan arrive. Et, voilà, donc je pense qu'on est tous un peu dans le même bateau à cet endroit-là. Ouais. Micro ? Non, c'est pas obligé, non. par rapport à ce que tu viens de dire, on a compris que l'aspect financier était une grande difficulté hein, pour les écoles hors contrat. Mmh. J'imagine que vous ne recevez aucune subvention, d'aide, quelle qu'elle soit. Hein. Mmh. Alors, comment on peut réussir sur le côté financier à avoir une école fiable donc, lorsqu'on n'a pas toutes ces aides Il faut vraiment faire un budget, en fait. Il faut vraiment penser... J'en prends conscience que maintenant, j'en ai pris conscience le dernier trimestre, en étant entouré par des personnes plus proches des chiffres que je ne mettais, que quel que soit ce qu'on met dedans en valeur, il faut faire tourner le financier. Donc de toute façon, s'il va y avoir tant d'enfants, tu l'as évoqué tout à l'heure, s'il y a des familles qui partent, il faut l'intégrer dans ton budget, si elle part, ben, tous les mois, ça fera moins X. Et l'équipe pédagogique, il faut quand même la payer, ils vont pas dire, ben, il y a deux enfants en moins, c'est pas de ma faute. Quoi. Et des contrats de travail, et des. Et ça, c'est chaud. C'est pour ça que je dis que dans deux ans, ça va couler, parce que les familles sont parties. Je sais pas, en fait. Vous avez un nombre d'élèves minimum, par exemple, un enseignant, 15 enfants, ça, c'est fiable. Un enseignant, 20 enfants. Vous avez des références comme ça ou... Bah, nous, au départ, quand on a fait les simulations, c'était vraiment. C'était calculé pop, quoi, hein, sur un coin de nappe. Hein. Combien coûte un employé plus 50% de charge, ok, allez, paye ton argent. C'était ça le budget. Je force, mais je dirais que, en fait, non. Combien ça coûte vraiment à l'employé ? Quand tu vas lui dire je te paye tant, combien va sortir des comptes de l'asso ? Ok, ça c'est pour un enseignant, une aide pédagogique. Selon son bagage, ça va te payer combien ? Elle fait 30 heures, 35 heures, 18 heures, combien il lui faut ? Il faut tout placer, ce qui est difficile à faire au départ. Et en face, combien coûte un enfant ? Et là, ben, l'enfant, pour que ça marche, il faut que ce soit 360 euros. C'est pour Colibri, c'est 360 euros par enfant ? Là, Colibri, ben, voilà, c'est tout juste changé. On était à 3000 euros l'année. On avait fait le choix de faire en 10 ou en 12 mensualités. Et en fait, pour que ça soit viable, on vient de basculer le budget à 3800. Voilà. En tant que parent, pour tout le monde, on a choisi pour l'instant ce qu'on vient de décider. On a choisi cette année de ne pas faire de caution familiale. À terme, on va le faire. Mais rajouter caution familiale, par exemple, c'est pareil, une version, c'est super, c'est très social, ça permet de toucher tout le monde, c'est une vraie équité. Sauf que dans les faits, 30 enfants, il y en a 28 qui sont caution mini et 2 qui sont caution maxi, game over. Tu vois le revenu fiscal de référence au moment où il y a des préinscriptions. Tu te dis, bah, je ne vais pas regarder. Ben si, tu vas regarder, parce que celui à 60 000, il sera plus facilement fiable que celui à 18 000. C'est froid, c'est pourri, c'est contre les valeurs qu'on... Mais c'est vrai, donc tu vas te mettre à sélectionner, ce qui est contre-intuitif. Hein. Et c'est vraiment des équilibres financiers à trouver qui sont extrêmement durs, parce que ça heurte des valeurs qui ne sont pas, en général, par rapport à ce qu'il y a des fonds de l'école, mais ce sont des facilités d'entreprise.
Donc j'ai pas de recette miracle, hein, je pense qu'on est passé pas loin du craquage jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il fait modifier l'éventualité. Et il se trouve que ça fait deux matins que je suis avec une mère, des mères extrêmement émues, pour ne pas dire en pleurs, pour dire mais c'est fini, je ne peux plus. Et là, tu te dis, c'était pas ça le projet. Mmh. Sauf que la réalité, c'est ça. Et voilà. Mmh. On a résumé mieux, je pense. Et c'était combien à Maya? J'ai choisi de proposer le coef familial, donc c'était entre 200 et 240 euros par mois. Mais c'est pareil, au regard de la réalité, c'est la dimension financière, c'est vraiment un point hyper compliqué. Souvent mis sous le tapis, parce que c'est pas... Au regard des valeurs qu'on porte et de la réalité de terrain... Ça prend beaucoup d'énergie. Mm. Oui, et puis c'est beaucoup d'administratif, c'est beaucoup de choses à faire. Et mine de rien, d'avoir fait un bâtiment écologique, dans notre cas, un bâtiment passif, tout en matériaux biosourcés, il n'y a pas de frais d'électricité. L'école, elle est chauffée avec un radiant de 2 kW, 155 mètres carrés. Mais c'est des frais qui ne sont pas pour les familles. Il n'y a pas à payer. Mm. Et les enfants, ils rentrent dans la salle de climatique, il fait chaud, et ça chauffe l'école. On prend conscience de plein de trucs. On peut même dérouler la pédagogie avec ça. Mmh. Et au niveau financier, il n'y a pas à payer ça, parce que c'est l'énergie qu'on fait tout seul. Est-ce que vous avez essayé de vous tourner vers le mécénat, oui, les fondations, et ça, il n'y a pas de réponse à... On en a eu. Les fondations, globalement, faut vachement garantir. En fait, il faut vraiment présenter des dossiers béton, encore une fois, qui cochent des cases. Eux-mêmes, pour certaines fondations, ils ont été financés par des donateurs qui ont eux-mêmes défiscalisé dans la fondation a distribué ça, c'est des cycles financiers, pour le coup, ça revient un peu de temps en temps. Et les fondations sont, je sais pas, j'ai toujours démarché une dizaine, 10 fois les refus. Par contre, on a eu des dons de mécénat, de privés, vraiment de gens qui adhéraient au projet, et qui ont dit « Ok, on vous soutient ». Et 200 par-ci, 300 par-là, 1000... Et au bout d'un moment, ça fait vraiment des... C'est ce qui a permis de vivre jusque-là, malgré des mensualités qui, dans les faits, étaient inférieures à ce qu'ils auraient dû être, en fait. Donc il faut... Voilà, j'ai découvert qu'on ne compte pas ça dans un budget, mais c'est là. Moi, je me disais, ah, c'est bon, ça fait partie, c'est dedans. Mais non, en fait, le budget doit être équilibré sans le mécénat, parce que le jour où il n'y en a pas, plantage. Donc, mais pour l'instant, en école privée hors contrat, c'est ça, c'est cotisation et mécénat. Donc moi, quand je vous entends, ça m'inquiète un peu, parce que moi j'ai le projet d'une école, et vous ne pensez pas qu'on peut gérer une école sans être une entreprise? Et est-ce que c'est utopique de croire qu'on peut faire vivre une école juste avec la bonne volonté des parents qui seraient investis? Si, mais c'est comment, comme dans toute association, c'est souvent l'association est créée, quelle que soit l'association, on va faire ça. Il y a un noyau dur qui traîne vraiment, qui tire toute l'assaut. Au départ, il y a plein de monde. Petit à petit, toute la base, c'est vrai. Et au final, il reste les trois qui avaient créé l'association qui disent, c'est bon. Je suis négatif, hein, décidément. Et c'est pas tout le temps ça. Hein. Je pense que c'est d'ailleurs il y a des écoles qui fonctionnent comme ça. Hein. Mais je pense que c'est dur. À terme. Au départ, c'est bien. Je pense qu'à terme, c'est dur. Mais ça existe. Tu as peut-être des modèles, t'en connais peut-être qui ont fonctionné comme ça et qui marchent. En mode purement associatif ou autre d'ailleurs, je ne sais pas. Hein. C'est souvent ce qui est fait, mais c'est pas tout le temps ça. D'autres questions? Moi, je voulais juste un peu plus de détails sur Edwige. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Donc, vous avez un enseignement alternatif dans les écoles classiques. Plus émotionnel. Alors, est-ce qu'on peut l'appeler enseignement alternatif? Je sais pas. En fait, Décimone Étincelle, c'est vraiment un organisme de formation qui s'adresse à tous les professionnels de l'éducation qui œuvrent dans le système existant et qui a vocation à accompagner la posture en fait, hein, pour s'adapter aux réalités du terrain actuel, quoi. Et donc c'est l'accompagnement, hein,
de ces enseignants vers des pédagogies intégratives et humanistes. Voilà, donc c'est vraiment des espaces alors de formation, certes, que je pourrais peut-être plus nommer des espaces réflexifs. On est vraiment dans l'exploration, en fait, hein, pour sentir ce mouvement-là. Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui s'incarne et qui se ressent, quoi. Est-ce que, du coup, vous avez des exemples d'enseignants ou certaines écoles dans la région qui auraient justement cette démarche précise ? Ben, il y en a deux dans la salle qui ont assisté à une formation il y a très peu de temps. Je vais leur donner la parole, hein, c'est très simple. Si vous voulez témoigner de votre expérience. Pas qu'on vous parle ce soir. Là, je suis désolée. Moi, je suis enseignante du système classique avec Mélanie, qui est ma collègue, comme toi, Estelle. Et c'est vrai que le premier regard que vous avez pu porter dans vos discours sur les enseignants du classique m'ont fait un peu peur, parce que je pense que c'est d'abord profondément une question de personne, et que le système classique ne nous empêche pas de faire, j'en suis profondément convaincue, et je crois aussi qu'il y a un mot dont on ne parle pas, c'est la confiance en soi, mais aussi entre les parents et nous, entre les enfants et nous. C'est un partenariat, ils nous apprennent autant qu'on leur apprend. Et donc, moi, c'est vrai qu'avec Mélanie, on a fait la formation, enfin, c'est deux mercredis, et merci. Moi, je dis que ça m'a rallumé ma petite étincelle. Je suis d'accord avec les injonctions, hein, qui sont pas toujours évidentes par là-haut, mais je crois que l'expérience, le vécu, l'envie de... les essais, les erreurs, le vécu du quotidien font que tout ça, on l'incarne de plus en plus, et que je suis convaincue que simplement en vivant avec un regard positif sur l'enfant, et inversement, les parents vers nous aussi, etc., eh bien, il se passe de très belles choses. Et que oui, évidemment, tout ne peut pas être rose et tout ne peut pas être noir. C'est pas la vie, ça d'abord. Et qu'il y a des hauts, des bas, dans tout ça. Mais que je suis persuadée que justement, au quotidien, de par toutes ces petites touches, enfin, je vois avec mon aide maternelle, on en parle beaucoup, et j'ai des exemples tous les jours où on se regarde et on dit regarde ce qui se passe là-bas, c'est trop génial. Et puis voilà, ou bien le petit papillon, tout ce que vous disiez, mais je crois vraiment que c'est juste, il faut le vivre, hein. Il faut se faire confiance et faire confiance à ce qui se passe plutôt de nous. Donc moi je serais plutôt du côté positif. Non mais c'est bien, moi j'ai pris le rôle. Mais Et puis je crois que ça me fait du bien. Si moi ça me fait pas de bien, je peux pas aussi voir ce miroir. C'est sûr. Maintenant, je ne dis pas que j'ai toujours. On pourrait parler plus loin, mais le petit chacal et puis la girafe. Mais en tout cas, pour répondre à la question du monsieur, par rapport à ce qu'on a vécu avec Edwige, là, c'est deux jours, pourtant ça ne sont que deux jours. Mais je crois vraiment que c'est là que ça se passe. C'est pas là, c'est là, là. Et que ça, c'est de maintenant tellement très le cœur, quoi. Mmh. Osons parler d'amour dans la pédagogie, en fait. C'est à un moment donné, se mettre face à ça. Et bravo à vous d'incarner ça, là où vous êtes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, parce que je n'ai pas donné d'exemple particulier. Alors, oui, il y a André, mais... Voilà. Et en fait, comme tu l'exprimes très justement, c'est vrai qu'on me questionne souvent sur qu'est-ce qui se passe dans ces formations. J'ai un peu de mal à mettre des mots, en fait, hein, parce que ça se vit, ça se ressent. C'est vraiment... On descend, quoi, hein, dans ce ressentir, en prenant appui. Alors, c'est concret, en fait. Hein, oui. Voilà, il y a des points d'appui très concrets, mais les outils sont vraiment derrière, et c'est la mise en lumière de la posture, de réveiller les cœurs, quoi. Je peux vous inviter à une prochaine formation, si vous voulez, sans souci. Mais j'ai vraiment du mal à...
à mettre des mots très concrets. Quoi. Donc, merci pour le témoignage. Alors, nous, on a dit la transmission, ça a été aller faire la formation des gens avec qui on a parlé. Merci. C'est sûr. J'étais le mec négatif, le froid administratif. C'est pour dire que c'est pas. On a créé une école, quoi. Clairement pas, non. C'était juste pour ça que forcément je me retrouve à être un peu méchant, on prend chacun sa place dedans. Tout ce que vous décrivez là, on le voit au jour le jour dans l'école, vraiment. Mais il y a ce truc-là de, qui est aussi là, qui est aussi la réalité du terrain, en fait, de créateur de l'école. Bonsoir. Donc, merci pour vos partages, je trouve que c'est vraiment extra. Dans ce que j'ai pu ressentir, c'est qu'il y avait comme deux vitesses, en fait. Julien avec l'école Colibri, donc une école créée assez récemment et qui revient à l'essentiel, en fait, parce que c'est la base qui est là. Et puis l'école vitesse standard qui a cette même envie, je pense, mais avec un système, une roue à enclencher qui demande aussi du temps. On a cette même envie et c'est ça qui est formidable, je trouve. Alors, ça m'amène sur deux ou trois points différents. En fait, comment on peut accompagner, en tant que parent, les enseignants, en fait, comment on peut les aider dans les écoles classiques à pouvoir, justement, être en soutien pour nos enfants. C'est un premier point. Deuxième point, Esther, tu évoquais la classe dehors. Toi, qu'est-ce que tu en ressens comme bienfait, et puis qu'est-ce que les enfants ça leur apporte également, et qu'est-ce qui empêche en fait de faire plus qu'une demi-journée s'il y a un empêchement. Donc voilà, et puis l'autre point je ne sais plus, mais avec les réponses peut-être ça va apporter des choses, et merci pour ça. Bon, je réponds parce que la question est dans ma tête. Et moi, ce que ça m'a apporté, j'ai l'impression que je l'ai peut-être un peu évoqué, mais il y a tout ce que peut apporter la nature à l'être humain, l'apaisement, la sérénité. Voilà, ça m'a apporté aussi une autre relation avec les enfants. Parfois, avec certains, c'est plus difficile dans une classe, et je trouve qu'en classe dehors, on arrive à créer une relation plus positive. Parce que cet enfant-là, on va peut-être mieux répondre à ses besoins et on aura, nous, un autre regard sur lui. Après, pourquoi qu'une demi-journée je ne sais pas, c'est vrai que je ne sais pas. Pour l'instant, je me suis lancée comme ça. Peut-être que je ferais plus ou... moi, ça me parlait. Voilà, après, j'imagine une journée, ça veut dire manger, ça veut dire... bon, je ne suis pas encore dans cet esprit, mais c'est une porte ouverte aussi. Puis j'ai peut-être pas envie d'imposer tout ça. Moi, j'aime ce temps-là sur mon emploi du temps de la semaine, mais et j'aime aussi ce que je peux proposer en classe. Hein. Parfois, là, j'ai parlé ce soir, je ne parlais même pas de la classe dehors, je parlais de ce que je vis dans ma classe, où je propose aussi autre chose, des activités autonomes, où les enfants y choisissent. Où moi je suis plutôt un guide, quoi, et pas celle qui transmet. Voilà, et c'est vrai que j'ai le micro, alors j'en profite, je suis contente d'avoir été invitée, mais il y a beaucoup d'enseignants qui sont là ce soir et qui auraient pu être à ma place, qui font autre chose, d'autres dispositifs. Il y a l'école de la Génitouze qui a une classe, qui a deux classes parallèles où j'ai eu la chance d'aller les voir, et donc elles offrent une autre proposition aussi aux enfants. De travailler, de circuler entre deux salles et d'aller vers les domaines qui peuvent leur plaire, voilà. Et puis l'école de Vendrell, l'école de Chambretot, il y a plein d'enseignants, enfin tous ceux que moi je côtoie, qui sont en réflexion. Donc l'idée, c'est vraiment pas de mettre en lumière ma pratique, c'est plutôt, voilà, c'est une parmi d'autres, et de montrer que c'est possible. Il faut rester positif. Je l'ai été. On a... J'ai répondu. C'était... Ouais. Moi, du coup, je veux bien répondre à la première question qui a été posée, à votre interrogation. Pour ça, je peux peut-être vous partager mon expérience de maman. Hein. Je suis également maman avec des enfants qui sont dans le système classique, hein, public.
J'ai rapidement pris conscience, en tout cas c'est quelque chose qui est important dans ma posture, de me dire on n'a pas à convaincre qui que ce soit. Je crois que c'est une démarche très personnelle et que ce qui est certain, c'est que tout le monde fait du mieux qu'il peut. Et j'ai pu être en difficulté dans ma mission de maman, avec notamment une année où mon fils était dans une classe où les pratiques ne lui convenaient pas forcément. Et pour moi, ça a été justement de questionner ma posture et de rester dans le cœur en tant que maman et de d'exprimer, effectivement, en fait, tu vois, mon chéri, j'ai pas de baguette magique pour modifier quoi que ce soit dans cette classe, mais peut-être ensemble, on peut explorer comment toi, tu peux traverser cette année-là du mieux que tu peux. Et je suis très heureuse aujourd'hui quand il me dit, tu sais, maman, alors il était petit, il était en CE1 à l'époque, tu sais, maman, quand je pense à mon primaire, en fait, la meilleure année pour moi, c'était CE1, c'était cette fameuse année qui était compliquée. Du coup, ça l'a amené aussi à observer quel levier il avait intervenu pour s'adapter. Je crois qu'il faut peut-être arrêter de penser qu'il faut mettre les enfants sous cloche. Ils ont besoin de toutes ces expériences-là. On a besoin de toutes ces polarités, c'est ce qui nous construit. Donc moi, je ne cherche pas du tout à convaincre. Pour moi, tout le monde a sa place partout où il est. Alors, il y a des choses qui peuvent venir me toucher, bien évidemment, qui viennent toucher mes limites. Et alors, je ne suis pas mieux que qui que ce soit et personne n'est moins bien que moi, en fait. Et je crois que ça, c'est vraiment un travail qu'on a à faire en tant qu'individu aussi, en tant que parent, de se dire, c'est la vraie vie. Voilà, et dans la vraie vie, c'est vrai que même quand on est au travail, on peut être amené à côtoyer des personnes qui viennent toucher nos limites, c'est comment je m'adapte aussi, et de voir, j'ai toutes ces ressources, donc peut-être de s'en servir comme un apprentissage, tout est expérience, il n'y a pas d'échec, et je remercie cette enseignante qui... au-delà de ça, m'a fait travailler ma posture de maman cette année-là. Et de dire, comment je peux me positionner de manière juste pour justement inculquer ces valeurs-là à mon fils, que tout a une raison d'être, et même, c'est vrai, quand ça me met en souffrance et que c'est pas agréable, ce qui retire de ça, c'est qu'il est toujours vivant, il a su traverser cette année-là. Ça n'a pas été au départ l'année la plus agréable, aujourd'hui, il en retire beaucoup de choses constructives, en tout cas. Je voulais juste donner la parole à Olivier, qui est en public, qui est à le Collège Libre de Cholet. Et peut-être que ça pourra vous intéresser pour ceux qui s'intéressent à d'autres cycles. Donc je vous donne le micro. Bonjour à tous. Déjà, j'ai beaucoup apprécié les gens que j'ai entendus, parce que c'est pas mal de vécu de ma part sur la création du collège. Que vous avez pu connaître, moi je les ai connus aussi. J'ai la chance que le collège est ouvert en septembre. Donc, pour présenter le collège de Cholet, on est deux enseignants avec une classe unique de 16 élèves à Cholet, et donc on pratique les pédagogies alternatives. Et donc ça fonctionne bien puisque les élèves sont satisfaits, qu'on a une liste d'attente de familles qui veulent rentrer, que financièrement pour l'instant ça fonctionne, au niveau de l'administration on est dans les clous, qu'on a été inspecté, qu'on n'a pas encore le rapport suite à l'inspection, mais que normalement ça devrait aller, on est plutôt confiant. Pour l'instant les choses vont bien, moi je m'éclate dans cette aventure-là d'avoir créé un collège alternatif. J'en profite d'avoir le micro pour partager aussi moi mon... On va dire ma vision des choses sur le pourquoi d'avoir fait un collège alternatif. Je pense que c'est important de prendre du recul en fait sur le système éducatif et de se demander depuis quand il existe et quel a été le cahier des charges au moment où il a été conçu. C'est-à-dire que pour moi le système, quand je parle du primaire mais aussi du collège, il existe depuis à peu près un siècle et demi. Et au moment où il a été créé, le cahier des charges, il était de faire répondre à trois besoins. C'était que la France était très rurale à l'époque et que les enfants étaient très peu d'enfants savaient lire. Donc c'était une question de ramener des enfants dans l'école pour qu'ils apprennent à lire, écrire, compter. Parce que c'était à l'époque, c'était pas le cas, il y avait beaucoup d'illettrisme. Ça, pour moi, c'était le premier besoin. Le deuxième besoin, c'était de former des jeunes qui puissent être aptes à travailler dans des usines, une fois rendus à l'âge adulte, et d'être disciplinés dans des usines à produire des choses sur des lignes de production. Et le troisième besoin, c'était qu'on sortait de la guerre contre la Prusse et qu'on se préparait à une deuxième mi-temps qui, effectivement, est arrivée en 1914, et donc il y avait un gros volet sur ce travail avec la patrie.
Et donc la conséquence de ce cahier des charges là, c'est que l'école classique qui a été mise en place à ce moment-là, donc gratuite, publique, obligatoire pour tous, les élèves sont rangés en rondognon dans des classes, comme à l'usine. Il y avait des cours d'histoire très très poussés, qui prenaient une part très importante du programme à l'époque, et c'était plus que des cours d'histoire, c'était des cours de patriotisme finalement, pour préparer les jeunes à une possible future guerre, suite à la première, la première étant la guerre de Prusse en 1870, comme ça. Et le troisième besoin, c'était effectivement ramener, la troisième réponse, c'était de travailler les bases de lecture mathématique, et ça, c'est ce qui a été fait dans le système classique, et ça, c'est le point positif. Maintenant, ce cahier des charges, je trouve qu'il pourrait être renouvelé, puisque c'était il y a un siècle et demi, et finalement, l'école, elle n'a pas évolué depuis. Et c'est bien dommage. Et donc moi, la volonté du collège, c'était un peu de refaire un cahier des charges maintenant et de se reposer la question finalement, pourquoi on fait l'école, pourquoi on fait un collège. Pour moi, le collège, c'est le point central finalement de tout le système éducatif. C'est là où se passe le plus de choses pour l'enfant, c'est mon point de vue. Et donc pour moi, le cahier des charges maintenant de l'école, c'est de préparer l'enfant à trois choses. Acquérir des connaissances, parce que quand on veut être un adulte compétent, capable de travailler, de faire des choses, on doit avoir des connaissances, on doit avoir une culture, on doit avoir des compétences. Le deuxième point, c'est le fait de savoir vivre avec les autres, c'est-à-dire vivre en société. On doit pouvoir trouver sa place dans la société et savoir comment est-ce qu'on peut interagir avec les autres. On est tout seul et il y a 8 milliards d'autres personnes à côté. Il faut savoir comment être avec ces 8 milliards de personnes, quelles sont les règles du jeu, comment ça marche. Et la troisième chose, c'est se découvrir soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, un enfant, il a besoin de se découvrir soi-même, qui il est, c'est quoi sa personnalité, c'est quoi ses goûts, ses dégoûts, ses affinités, son caractère. Et donc pour moi, les trois missions de l'école, c'est ça, et ça ne doit pas... pour moi, certaines missions, on considère qu'elles sont du ressort de la famille, et je trouve ça dommage. Je pense que la mission de l'école, c'est ces trois choses-là. Elle doit accompagner les enfants sur ces trois choses-là. Et l'école maintenant, le collège maintenant, pour moi, il ne répond qu'à un seul des trois besoins, c'est les connaissances. L'instruction pure et dure, les connaissances, stocker les connaissances dans son cerveau, sur plein de domaines, mais ça reste des connaissances et ça ne travaille pas du tout le fait d'apprendre qui on est soi-même, comment on s'insère dans la société, comment on trouve sa place. Et ça, c'est différent en France de beaucoup d'autres pays. C'est-à-dire que c'est la vision de l'école franco-française, c'est ça. Dans d'autres pays, c'est pas ça. On trouve des choses différentes et simplement en France, on est très auto-centré et on ne se remet pas du tout en question. Et je dirais que pour répondre à ce cahier des charges là, nous, notre approche, c'est surtout de modifier la manière dont le lien entre l'enseignant et l'élève. Parce que pour moi, si tout passe par là au départ, c'est que le lien entre l'enseignant et l'élève, il doit être un lien de qualité, un lien d'affection, un lien de confiance. Et que dans le système classique, surtout au niveau collège et lycée, en primaire c'est mieux, mais en collège et lycée, il y a une distance énorme qui est quelque part imposée entre l'enseignant et les élèves, avec un vouvoiement, avec une distance physique, avec beaucoup de choses. Et donc les élèves ne se sentent souvent pas en confiance, pas à l'aise. Et pourtant, on sait, notamment par les neurosciences et par ce qu'on peut voir à l'étranger, qu'une relation de qualité, de confiance, etc., avec un lien qui se crée entre l'enseignant et ses élèves, c'est nécessaire aux apprentissages. Il ne peut pas y avoir d'apprentissage si l'élève ne se sent pas apprécié par ses professeurs, s'il n'y a aucun lien qui se crée. Donc nous, notre vision des choses dans le collège libre, c'est d'abord de travailler ce lien-là et le plaisir que l'enfant a à aller à l'école. Et une fois que l'enfant il est heureux d'être à l'école, c'est-à-dire qu'il est heureux d'y aller le matin, il est heureux d'en revenir le soir, et qu'il a le smile toute la journée, et bien là, il y a des apprentissages qui peuvent se faire, non seulement les apprentissages scolaires, mais aussi sur les deux autres domaines dont je parlais tout à l'heure. Voilà notre vision des choses au collège. Donc après, s'il y en a qui veulent en discuter, autant sur la phase de création du collège que sur l'aspect pédagogique, n'hésitez pas à venir nous parler après. Bonjour, alors moi j'avais une question pour Julien, je suis désolée. Par rapport à ce que vous disiez, j'ai entendu tout à l'heure vous parliez de 3 hectares. Donc moi tout de suite ça a fait tilt. On a un projet en fait sur le sud de la Loire-Atlantique qui est caractérisé par une densité territoriale assez forte. Donc le prix de l'immobilier notamment est très cher, c'est compliqué de trouver de la surface. Donc on a défini notre projet, ça c'est la partie très sympathique. Et puis la nuit, on se prend plutôt la tête avec le business plan, parce qu'on se dit, mince, une chaise, c'est 50 euros, machin. C'est un peu compliqué quand même, mais c'est le côté un peu négatif.
Et dans ce fameux business plan, on a le foncier, qui est vraiment, avec la masse salariale, le gros problème. Et la question que je voulais vous poser, c'est comment vous avez fait? Parce que 3 hectares, c'est pas rien quand même. Nous, on a aussi un projet qui s'adosse avec une ferme pédagogique, entre autres. Donc on sort un peu des clous, parce que la chambre d'agriculture, ils connaissent pas. L'éducation nationale, ils savent pas faire. Et voilà, je me posais la question, comment vous avez fait? Parce que là, on part dans le PLU, changement de destination lieu, et c'est un peu compliqué. Donc j'aurais bien voulu avoir votre retour d'expérience sur le sujet. Il faut peut-être le faire... c'est fait partie des discussions qu'on a à part... on s'endettait, moi seulement en fait. Ah. On a acheté le terrain, on a fait un emprunt, on s'est endetté autour de 200 000 euros. C'était à Apremont, c'est plutôt rural, donc là c'est pas les coûts, donc plus d'hectares. C'était des terres agricoles, donc pas cher. Et il y avait une très petite surface constructible où il y avait déjà une maison, une boulangère. Donc là c'est en terres agricoles. Et voilà, c'est pour la première partie de la question, je crois, sur le montage, comment on l'a fait. Et la deuxième partie, c'est quoi? Je suis venu à retenir la question, j'ai fait tomber le micro. La deuxième partie, c'est comment vous avez réussi à obtenir de faire un changement de destination de lieu. La mairie, je pense, vous a accompagné de manière positive sur ça. Alors la mairie, c'est une toute petite commune. On retombe souvent, sans plus d'avis tout à l'heure, on va tout dire, on retombe aussi, souvent sur l'humain. La mairie, toute petite commune, nous dit « Je trouve votre projet super, mais j'ai pas un rond, donc je vous donnerai rien. » Il n'était même pas tenu de le faire, parce qu'on était école privée hors contrat, donc il n'y a même pas le coût de privé, public, d'avoir la même donation pour chaque enfant, il n'y avait pas besoin de ça. Mais il a dit « Par contre, je ne vous mettrai pas de bâton dans les roues. » Et c'est arrivé à un moment donné, permis de construire. C'était une vieille longère pourrie, on passe tous les détails de PLU et tout ça, comment il faut faire un bâtiment. P5, normes et tout ça. Il se trouve qu'à l'arrière, pour étendre l'école, ce qu'elle devient l'école, on a fait un toit plat. Sur le PLU, niet. Faut pas parler russe en marquant ce moment. Il fallait pas. Toit plat, non. Le permis de construire revient. Non. Ça, c'était la Comcom qui disait ça. Non. Et le maire a dit, non. On voit pas le toit plat. Il n'est pas visible de la rue. C'est logique que je lui expliquais techniquement pourquoi j'avais fait un toit plat. Et c'était pertinent. Et il a dit, moi je suis d'accord. Et il a pris sur lui. Et là on rentre dans un autre domaine, qui est le domaine politique. Et c'est pas le plus simple. Il a pris sur lui, en faisant ça, il se mettait en porte-à-faux vis-à-vis de toutes les autres communes de la Comcom. Et il a choisi de le faire. On retombe sur l'humain en fait. Et là il a choisi de dire la case, non. Et là, tant mieux. Mais les changements de PLU, et en fait, c'est... D'entrée de jeu, ça avait été détendu parce que j'ai épluché le PLU, on mélange à travers une école hors agglomération. Maintenant, je ne pourrais plus le faire en fait. Au moment où je l'ai fait en 2017, j'avais encore le choix. Le PLU n'avait pas été réalisé, maintenant j'en ai plus loin. Et dans le PLU, sur page 52 féminine avec 8 machin, il y avait écrit noir sur blanc, on peut changer de local, la destination du local en machin, en école. Je suis arrivé avec mon truc. Bonjour monsieur l'urbaniste. Alors là c'est écrit ça. Ouais, il pouvait pas m'interdire pour le coup. Et faut vraiment. Sur ce point-là, c'était écrit. J'étais sauvé, je pouvais faire une école. Le toit plat, je viens de vous le dire, il aurait pu le dire non. Mais dans tous les cas, c'est sujet à interprétation. Quoi. C'est vraiment, il y a un texte. Et selon, si c'est Jean-Luc ou Denis qui va le dire, ils vont pas dire la même chose. Surtout dans les PLU où c'est très. La moitié de la quotité de la part de. Enfin, un peu comme du notaire. Là, ça peut être ou non passé. Donc, il faut vraiment pas lâcher. Ce départ, c'est compliqué. Il faut vraiment creuser, se faire aider si vous connaissez quelqu'un que les normes administratives. Mais c'est faisable. Mais vraiment, en création d'école, la phrase, on l'a pas mis, je crois, sur le site, mais c'est vraiment la phrase de Mark Twain. Quoi. Ils savaient pas que c'était impossible, hein. Ils l'ont fait. C'est vraiment ça, c'est la... ça marche pas tout le temps. Hein. Il y en a qui se plantent, on va plus se planter, on va peut-être se planter encore. Mais de se dire, go, comme on demande aux enfants, fait, vas-y, essaye, rate, recommence. Mais même en tant qu'adulte, on l'oublie parce qu'on s'est mis même des barrières, parce qu'on est éduqué à une société, qu'on suit des règles, oui, sérieusement. Et là, se dire, vas-y. Donc, tous ceux qui ont des projets, j'ai été le mec négatif ce soir,
C'est impossible. Hein. Si, c'est possible. Il faut y aller, c'est compliqué. Il faut prendre conscience que c'est compliqué, mais c'est jouable. Pour les 3 hectares, effectivement, en Sud-Loire, ça va être chaud, quoi. Je vous propose de poursuivre les échanges de manière plus informelle autour de la brioche qu'on a promise. Je vais juste faire un tout petit coup de projecteur sur Demain Vendée, où on a des ateliers médias auprès des scolaires. Donc si ça vous intéresse, on va avoir un stand où on vend aussi nos journaux. On a plein de casquettes à Demain Vendée. Et donc voilà, si vous êtes... je ne sais pas si Fred, tu veux te présenter un peu les ateliers médias en vite fait ou... Vous êtes limité à la Vendée ou un petit peu les départements limitrophes? L'exploration du média, elle reste sur le territoire de la Vendée. Donc les ateliers médias sont aussi à destination des écoles de Vendée. Nous, on est au départ de la Gauvretière, parce que c'est là que sont nos locaux. Et on a commencé à faire des ateliers dans les cycles primaires, aussi dans des collèges. Déjà, les présenter une autre approche de l'information, quelque chose de plus inspirant et plus positif que les médias que parfois les enfants consultent et qui sont des informations anxiogènes. Donc c'est ouvrir aussi des espaces d'échange comme on le fait là, mais avec des enfants, savoir aussi comment ils perçoivent la société et comment ils perçoivent le monde, et leur montrer notre exploration vers des alternatives éducatives ou agricoles ou pour la santé. Et surtout, c'est les aider à s'emparer eux-mêmes de créer des contenus et de croiser les membres du réseau de Demain Vendée, qui peuvent être des écoles alternatives, des agriculteurs qui ont changé de pratique, et de créer le pont, la facilitation entre ces groupes d'enfants et des membres du réseau qui sont inspirants ou porteurs d'initiatives, et de les aider à créer une interview, à questionner ces personnes, et de s'emparer de ces questions-là en fait, à travers justement la rédaction, la création de contenu vidéo ou de podcast. Donc c'est un petit peu ça les ateliers médias. On ne se reconnaît pas dans l'éducation média traditionnelle qui est celle de... contrecarrer les fake news ou les théories du complot, ça existe aussi, ce type d'atelier. On veut rester dans l'inspiration et l'aspect positif des choses et faire, là encore, le maître mot de Demain Vendée, c'est connecter, c'est mettre en lien des acteurs du territoire qui nous semblent apporter des évolutions humaines, sociétales et de reconnexion au vivant et de permettre à ces enfants de se connecter à ça. Après, on cherche à convaincre personne, c'est plutôt vraiment proposer de l'inspiration. Quoi. Voilà. Donc si ça vous intéresse, on a des petites plaquettes dans le fond de la salle et on a fait déjà une trentaine d'ateliers pour différents âges, même des bachelors qui sont dans l'alternance de marketing digital et doivent se former au reportage vidéo. Donc nous, on sait faire. Et le prétexte, c'est de les embarquer et de les amener voir des initiatives et qu'ils filment eux-mêmes les initiatives et questionnent des personnes, des acteurs du changement humain, sociétal. Voilà. Pour rebondir, Demain Vendée, du coup je passe la crème parce que c'est vrai, là c'est positif. Ce qui est génial, c'est qu'ils montrent dans tous les domaines, qui changent, c'est possible en fait. Il y en a qui l'ont fait. Au lieu de dire, ah c'est foutu, on mange pas bien, là, il y en a qui ont fait ça, et ça marche. Ah ouais. Et effectivement, inspirant, c'est vraiment le mot qui revient sur Demain Vendée, je trouve. C'est vraiment un média, quel que soit en papier ou. C'est inspirant, donc merci. Merci à tous, on participe tous, hein, c'est ça. C'est, et puis ouais, les liens, ça, on sent que ce soir, si, pendant le moment d'échange, c'est ce qui nous fait plaisir, en tout cas, et la récompense, parfois l'immatériel, on ne cherche pas plus de journaux. Si l'important est d'être lu quand même, on est une production audiovisuelle et rédactionnelle, mais ce qui compte, c'est vraiment les liens qu'on crée, en fait, depuis 5 ans déjà, qui connectent des personnes qui sont dans l'éducation, dans l'agriculture, et tous ont un point commun, c'est celle de partager une vision ou des intentions pour demain, et qui ont perçu des limites de la manière dont l'humain évolue sur cette planète, sur le plan du recul, et de se dire qu'il y a quand même une projection qui peut être porteuse d'espoir. C'est comme si on essaie de montrer les petites lueurs qui sont au loin, et après soit on y va, soit on n'y va pas, mais en tout cas on le montre. Et voilà. Oui, c'est une question de l'agriculture, je crois qu'il n'y a pas que c'est... Non, pardon, dans les thématiques qu'on explore, les évolutions humaines, elles touchent à se nourrir, se loger, se soigner, c'est les fondamentaux en fait, de quoi l'humain a besoin pour être...
oui, voilà, les besoins fondamentaux. Et puis c'est quand même cette quête de sens, le film En quête de sens qui était à la genèse donc, de ma Vendée, En quête de sens, et le film Demain, qui questionne presque d'un point de vue spirituel, quoi, philosophique, ce que les humains font sur cette planète. On s'intéresse aux peuples racines aussi, avec Eric Julien qu'on a interrogé, et les fameux Kogi. Enfin, voilà, vous pouvez aller voir nos contenus, et qui mangent un bout de brioche aussi. Allez. Bravo.